Thank you.
Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette table ronde que nous avons donc intitulée « État des lieux de l'éclairage scénique à l'heure de la bascule vers la LED ». Cette table ronde est organisée par l'UCL. L'UCL, Union des créateurs lumière, est une association créée en 2009 qui compte aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents. C'est une association qui a un site que vous pouvez consulter, qui est assez active, là, confinement oblige, ces derniers mois, qui est assez active, là, depuis 2-3 ans, avec différents pans d'activité. D'une part, nous luttons un petit peu pour la reconnaissance du statut de créateur lumière, de concepteur lumière, pour le différencier du statut de régisseur ou de technicien, parce qu'il y a encore pas mal d'institutions pour qui la frontière est floue. D'autre part, l'association propose aussi différents moments d'échange, donc par l'organisation de tables rondes de ce type ou de journées consacrées à la lumière, des échanges, des débats sur les dimensions artistiques et techniques du métier. Et puis un troisième volet peut-être de l'activité de l'association, c'est une activité de mémoire, puisque sur le site vous pouvez trouver différentes interviews d'éclairagistes de différentes générations. On se propose aussi de commencer un petit peu à archiver des conduites et des documents pour garder un petit peu trace de ce métier souvent éphémère dans ce qu'il laisse, sinon dans le souvenir des spectateurs. On a profité du confinement pour créer différentes commissions, et donc l'association est assez active là en ce moment. Et en lien avec la table ronde d'aujourd'hui, avec Benjamin Nem ici présent, on a créé on a appelé ça l'Observatoire des mutations de l'éclairage scénique, puisqu'on est effectivement aujourd'hui en pleine mutation qui pose beaucoup de questions. Et la création de cet observatoire nous a permis de commencer des séries d'interviews d'utilisateurs de la LED, que ce soit des concepteurs, des chefs électro ou des commerciaux, des fabricants, pour voir un petit peu les différentes dimensions et essayer d'anticiper un petit peu ce vers quoi on peut aller, et d'accompagner peut-être aussi les salles, les responsables de salles qui se posent des questions sur le matériel aujourd'hui. Voilà pour une présentation rapide de l'UCL. Vous pouvez trouver une présentation plus détaillée sur le site. On remercie bien sûr l'ENSAT, École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, de nous accueillir aujourd'hui. Et puis également la revue Actualité de la Scénographie, avec une grosse étude qui a été menée par Benjamin sur la LED et les avancées technologiques aujourd'hui, avec donc en ce moment beaucoup d'articles, publications de différents articles et de différentes interviews sur la question. Bonjour. Donc, avant d'introduire les invités pour cette table ronde et cette discussion qui va être menée par Benjamin, j'invite tous les internautes qui le souhaitent, qui sont en direct, à poser des questions s'ils ont des questions à poser, en chatant sur la page YouTube que j'ai sous les yeux et que je pourrai retransmettre à nos invités. Nos invités qui sont, donc, il y a à gauche, en commençant côté jardin, Pierre Martigne. Donc, responsable lumière du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Ludwig Lepage. Bonjour. Chef produit chez Robert Julia, le fabricant de bien connu de projecteurs. Benjamin Nem, donc, qui est créateur lumière et de l'agence Luminariste à Lyon. David Debrinet. Créateur lumière et directeur artistique de LAM, Lighting Design à Lyon. Christine Richier, créatrice lumière et responsable de la section lumière à l'ENSAT, l'école de Lyon où nous sommes aujourd'hui. Et Christophe Fauré, concepteur lumière et l'un des piliers de l'UCL. Merci, bonjour. Bon, et ben on va essayer de rentrer petit à petit dans le vif du sujet pour dresser ensemble. On a à peu près une heure et demie pour essayer de dresser un état des lieux de l'éclairage scénique dans ce moment crucial un petit peu, en tout cas à cette heure de bascule vers un éclairage LED. Cette lumière LED, elle a fait une percée spectaculaire en quelques dizaines d'années, alors dans nos intérieurs, comme dans nos villes, comme sur les scènes. Les avancées technologiques ont été très rapides, tout en étant accompagné par des réglementations écologiques très fortes. Tout ça a amené la LED plutôt sur le devant de la scène,
En l'état actuel, c'est plutôt une période qu'on pourrait qualifier de réjouissante, dans le sens où on a tout un panel de projecteurs historiques, ces projecteurs halogènes qui nous éclairent là derrière nous, comme des HMI, comme des fluos, etc., et comme l'arrivée de la LED et toutes ces nouvelles possibilités. Donc on est dans une période assez stimulante, mais, et il y a un mais, c'est que tout ça est aussi guidé par le fait qu'il y a de réglementations européennes qui ont, en quelque sorte, sonné le glas de la lampe à incandescence. Ce qui fait qu'en réalité, on est quand même plutôt dans une période de transition de l'éclairage scénique, et de l'éclairage et du monde de l'éclairage d'ailleurs en règle générale. Cette bascule semble donc assez inévitable et elle a des conséquences à la fois technologiques sur tiens, ça fonctionne pas tout à fait comme d'autres sources de lumière, la LED, et ça fait partie de choses qu'on va essayer un petit peu de décortiquer pendant cette table ronde. Ça vient bousculer les savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes, des manières de faire qui ont, on pourrait dire, été hérités au fil des années, qui sont en train de, peut-être même d'être perdus, ou en tout cas d'être changés, d'être modifiés, etc. Ce qui questionne évidemment aussi la notion de formation, de tiens, comment est-ce qu'on forme à cet empilement de technologies à tous les âges de la vie, et qui questionne aussi, c'est peut-être une particularité, en tout cas plus... des institutions culturelles en France, c'est-à-dire qu'elles ont pour la plupart un parc de matériel en leur sein. Et du coup, comment est-ce que peut se passer cette transition et comment investir massivement vers de nouvelles sources d'éclairage à ce niveau-là. Donc ça fait faire partie un petit peu des questions qu'on va essayer de se poser ensemble. Il y a aussi la notion de réfléchir un petit peu peut-être à l'impact écologique, parce que finalement tout ça est guidé par une mission écologique. Peut-être que ça fait partie de choses qui peuvent se questionner. S'interroger aussi ensemble sur c'est quoi les compétences actuelles et de demain d'un créateur lumière, d'un régisseur lumière, d'un technicien lumière. Qu'est-ce qui est en jeu et puis aussi en filigrane, c'est un petit peu comment est-ce que finalement la notion de création lumière pour le spectacle qui, par définition, est censé se déplacer et partir en tournée, comment est-ce qu'on arrive à reproduire une œuvre lumineuse dans des lieux avec du matériel qui va, somme toute, être très variable et très hétérogène, déjà actuellement et de plus en plus dans les années à venir. Donc il y a toute une brochette d'invités qui réunissent différentes composantes, et c'est à mon sens ce qui est intéressant de réunir autour de la table, c'est-à-dire à la fois des fabricants, à la fois des responsables techniques et à la fois des créateurs. Et en fait, on espère en tout cas que l'échange entre ces trois pôles, quelque part, peut être nourrissant mutuellement pour comprendre en fait les enjeux de chacun. Voilà pour cette introduction. Je vais me tourner vers Ludwig Lepage, j'ai envie de dire en tant que représentant des fabricants d'appareils d'éclairage, avec une question assez simple, c'est est-ce que finalement la lampe halogène va devenir un objet de musée ? Alors, oui, elle deviendra un jour, mais pas pour tout de suite. On est en fait légalement, d'un point de vue législation européenne, quand la commission a retravaillé sur l'éco-design, à la réglementation éco-design ces dernières années, c'était une volonté de toute façon de l'Europe de réduire la consommation de toutes parts, et y compris sur les lampes, et ça englobe toutes les formes de lampes qu'on va trouver sur le marché. Et on a été un petit peu, entre guillemets, oublié dans notre secteur, ce qui fait qu'on a formé une coalition de plusieurs associations en Europe, plusieurs fabricants, plusieurs associations. On a été reçus par le Parlement, on a pu rentrer en contact avec eux, avec les commissaires. On aura pu leur expliquer et exposer que l'impact économique de l'abandon de l'halogène du jour au lendemain serait énorme dans les théâtres en Europe. Et qu'il y a aussi un aspect artistique, où on ne peut pas remplacer les lampes halogènes dans tous les cas. Donc il nous faut beaucoup plus de temps pour cette transition. Et aussi les progrès technologiques. Donc cette directive va sortir en septembre, va être appliquée en septembre, et la plupart des lampes halogènes sont exemptées.
Et il y a aussi la partie LED qui, initialement, était vraiment très restrictive et qui, même à l'heure actuelle, aurait mis hors circuit une grosse partie des projecteurs LED qu'on utilise actuellement, a été élargie et on n'a pas du tout les mêmes attentes en termes d'efficacité pour les lampes de spectacle que les lampes domestiques. Et donc, ça va permettre encore une utilisation de tous ces projecteurs, ne serait-ce que pour les 5 prochaines années. La grande force d'avoir fait cette coalition, c'est que maintenant on est consulté en amont des discussions sur les nouvelles réglementations. Donc on est là, on vient juste à ces dernières semaines être concerté. On a eu une concertation pour les nouvelles réglementations ROHS, qui, tout ce qui est la diffusion de métaux dangereux en Europe, notamment le mercure qui est composé dans les lampes à décharge, tout ce qui est lampes à chimie et MSR. Et donc là, pareil, on a expliqué qu'on n'avait pas de solution pour remplacer des lampes à chimie de forte puissance. Donc on est en train d'obtenir une exemption encore sur une certaine période pour pouvoir continuer à utiliser ces lampes. Donc d'un point de vue normatif, légal, en Europe, on n'a pas de restriction à utiliser les lampes. D'accord. Est-ce que tu as des informations sur les usines de fabrication ? Parce que du coup, le marché est en train de se restreindre. Alors ça, c'est l'autre pendant, c'est que on avait 3-4 grands fabricants. Si on regarde, il y a 15 ans, il y avait 4 fabricants en Asie qui se partageaient le marché mondial. Tous ces fabricants-là ont été soit rachetés, soit ont mis en vente leurs filiales, soit d'un point de vue économique, tout est chamboulé. Ce qui se passe, c'est que c'était des usines qu'ils avaient rachetées et qui remettent en vente. Donc souvent, c'est les sous-traitants historiques qui reprennent l'affaire et qui remettent à reproduire et à vendre, à commercialiser directement ces lampes-là. Donc après, nous, on n'a pas d'informations. C'est très dur en tant que fabricant puisque nous on n'achète pas les lampes, finalement, en tant que fabricant. C'est les théâtres qui vont acheter les lampes. On n'a pas d'informations en nous disant « cette lampe référence-là est arrêtée ». C'est extrêmement dur, parce qu'on rentre dans des schémas économiques aussi, où là, c'est vraiment plutôt des décisions de grands groupes. Et c'est extrêmement dur de prévoir quelle sera la disponibilité de ces lampes-là. Je comprends. Vous n'hésitez pas à intervenir, si vous avez évidemment des choses à compléter. Il y a déjà des références de lampes qu'on ne trouve plus et qui sont devenues introuvables. Qui sont devenues introuvables. Du coup, relamper certains projecteurs, c'est déjà un problème. Et ça ne va faire que s'empirer, a priori. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un moment où il n'y aura plus que le stock des fournisseurs qui permettra de fournir des lampes les écureuils. Mais dans tous les cas, c'est pas lié à une réglementation. C'est vraiment lié à un choix stratégique des fabricants de lampes. Non, mais c'est deux données qui sont intéressantes, je trouve. C'est à la fois, il y a une directive qui petit à petit interdit, la coalition qui permet une autorisation, mais pour autant, le marché s'écroule et du coup, c'est plus très intéressant de fabriquer des lampes. Donc, ça crée deux tendances qui vont vers un peu la fin de l'halogène, quoi, si j'entends bien. Je continue un peu du côté fabricant. Enfin, il me semble que, dans le sens où, en tant que créateur lumière, on est plutôt des utilisateurs finaux des projecteurs. On est plutôt... On prend un appareil et on se débrouille avec pour faire la lumière que l'on souhaite. Entre la fabrication d'un projecteur halogène, ce qui était notamment chez Julia, un savoir-faire... historique, centenaire presque 102 ans, c'est 102 ans. Et la fabrication d'un projecteur à LED, j'ai l'impression que les recettes de cuisine ont pas mal évolué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu là-dessus ? C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe ne serait-ce que le nombre de métiers qui interviennent désormais dans la fabrication, la conception d'un projecteur à LED. Avant, un projecteur halogène, c'était plutôt de l'intégration mécanique. Et il y avait une petite partie optique, qui était assez simple sur certains projecteurs. Et c'était vraiment un savoir-faire mécanique de fabrication. Maintenant, on est plus sur de la conception électronique et de la gestion thermique. Parce que la plus grosse contrainte qu'on va avoir sur un projecteur LED, c'est sa gestion thermique. Et ça, c'est ce qui va faire la grosse différence entre un produit...
plus cher, un produit onéreux et un produit bas de gamme, ça va être la gestion thermique et la qualité des composants qu'on va utiliser. Donc on fait rentrer des nouveaux métiers. Avant, si on prend l'exemple de chez Julia, c'était la mécanique qui était le pôle mécanique qui était le plus important en recherche et développement. Maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui travaillent en développement électronique, en gestion thermique, qu'en mécanique. Et ça, c'est un gros basculement. Et en électronique, il y a à la fois la partie hardware, puisque la LED est un composant électronique, comme un autre. Et il y a la partie software. Avant, on se posait pas la question, un projecteur, on le branchait sur un grada, ça marchait. Maintenant, il faut toute la partie développement soft qui devient extrêmement complexe, et notamment aussi avec les protocoles de communication qu'on va retrouver. Ouais. Donc, il y a les ressources nécessaires pour développer de nouveaux produits sont de plus en plus importantes. Ouais, je comprends. Du coup, comment là-dedans, dans ce marché, ce que je comprends, c'est que du coup, vous avez besoin de composants électroniques. Quels sont les moyens pour les fabricants, finalement, d'arriver à garantir une certaine pérennité dans le temps? Parce que ce qu'on peut constater avec les projecteurs LED, c'est on pourrait dire que on n'est pas loin du marché des iPhones, quoi. Il y a des sorties tous les 6 mois d'un nouvel appareil avec de nouvelles fonctionnalités supplémentaires, etc. Mais, ou dit encore autrement, un projecteur, voilà, ça c'est un projecteur qui a 40 ans et il fait encore de la lumière. Et pour le moment, on a un peu du mal, je pense, dans les différents lieux, à estimer cette durabilité-là. Ouais. Comment ça marche du point de vue des composants dans votre part? Est-ce que vous arrivez à être maître d'une source d'approvisionnement? C'est un peu tout le problème, parce que le marché demande, les utilisateurs demandent régulièrement des nouveautés, des nouveaux projecteurs, des nouvelles fonctions et des avancées, et surtout en événementiel, où là c'est important parce que chaque éclairagiste veut mettre sa patte et donc veut avoir un nouveau projecteur. Donc il faut que tous les 6 mois ou tous les ans on sorte des nouveaux projecteurs. Mais de l'autre côté, notre marché est assez petit. Et ne permet pas de faire des gros développements électroniques. Un iPhone, forcément, ils peuvent se permettre de développer des composants sur mesure parce que c'est vendu à des millions d'exemplaires. Nous, on est incapable de vendre des millions d'exemplaires un projecteur. On est sur des marchés qui... La création en tant que telle est extrêmement difficile. Il faut forcément incorporer des technologies déjà existantes sur le marché. Et à ça, on n'a pas de pouvoir. On peut pas. Le problème des LED, c'est qu'on passe par derrière des fabricants automobiles. Un fabricant automobile, quand il commande des millions de LED, il peut dire je veux telle couleur. Nous, en tant que fabricant, on n'a aucun pouvoir, parce que même si on prend l'ensemble des données des projecteurs dans le monde, on représente rien. On n'a aucun poids par rapport à un fabricant automobile. Et donc, on est forcément dépendant des composants qui sont disponibles sur le marché. Et ce qui est extrêmement difficile, si un fabricant de LED dit du jour au lendemain, j'arrête tel modèle, si on n'a pas fait de stock, on ne peut rien faire. Ouais, donc vous êtes vraiment dans les fabricants sont devenus dans une dépendance à un réseau de sous-traitants, quoi. Ah, mais c'est... Ouais. Et réseau, c'est... Réseau de réseau. Ouais. J'ai une petite question peut-être pour tout le monde, c'est un PC 1000 watts, c'est combien de lumens? C'est pas forcément pour avoir une bonne réponse. 18 lumens par watt. 18 lumens par watt, ça va dépendre de l'optique. C'est un petit peu pour introduire ce changement-là, c'est-à-dire que jusque-là, on a un petit peu des notions de quantité de lumière qui sont liées à une notion de quantité électrique. On sait que 1000 watts, ça nous donne à peu près tant de lumière, etc. Mais depuis l'amélioration des rendements énergétiques, cette égalité entre la puissance et la quantité de lumière, elle est vraiment de moins en moins vraie. Et du coup, parmi vous, il y en a qui ont déjà commencé à raisonner en termes de lumens, par exemple. De se dire, j'ai besoin de tant de lumens à tel endroit, etc. Non, moi, pas encore. Comme on travaille pour l'œil, plus que pour un récepteur On parlait tout à l'heure de l'événementiel, oui, typiquement, oui, parce qu'aujourd'hui, comme on... Souvent, d'un pays à l'autre, il n'y a pas les mêmes usages en termes de fournisseurs, par exemple. Aujourd'hui, pour moi, la manière de comparer, donc souvent on fait des demandes en mettant des références de matériel avec lequel on aime travailler, et souvent le prestataire à distance, lui, propose des équivalences. Aujourd'hui, pour moi, pour réfléchir à savoir est-ce que je valide ou pas l'équivalence, je ne raisonne plus du tout en termes de puissance, mais je raisonne vraiment en termes de comparatif de lumen, par exemple, proposé sur la source. Parce qu'effectivement, la puissance, les watts,
aujourd'hui ne sont plus du tout un indicateur fiable. Moi, j'ai eu l'exemple sur un événement qu'on a piloté à distance en Asie, enfin en Chine, il y a un mois, où je leur avais demandé des Astera AX1, chose qui est extrêmement compliquée de trouver en Chine. Ils m'ont proposé un équivalent. L'équivalent avait 2 watts d'écart sur le papier, et sauf que quand j'ai vu les photos et les rendus, en termes de lumen, c'était beaucoup plus important. Mais ils n'étaient pas capables de me fournir le rapport de lumen, donc j'étais obligé de me fier à la différence de watts en me disant, bon, on passe de 26 à 24 watts, allez, c'est pas tant que ça. Et sauf qu'il y avait bien plus que 10% d'écart de luminosité entre les deux sources, quoi. Et pour le concernant les lieux, oui, forcément, c'est devenu l'unité de mesure pour comparer des projecteurs avec le même référentiel du 1000 watts. On regarde combien fait un 1000 watts en lumen et on le transpose sur. Et c'est oui, c'est la puissance, ça peut plus n'exprime pas la quantité, n'exprime plus la quantité de lumière qu'on aura. Est-ce que vous recevez des fiches techniques en lumen avec des demandes de projecteurs? J'ai non, besoin de on demande des d'un projecteur être capable de produire tant de lumen, par exemple. Non. Ça pourrait être un nouveau réflexe métier, en fait, dans le fond. C'est déjà arrivé dans la vidéo, mais en lumière. En vidéo, un peu plus, bien sûr. Ludwig, est-ce que peut-être qu'il y a une notion sur la durée de vie? Enfin, là, j'essaye un petit peu peut-être de faire un focus un peu sur les petits changements qu'amène la LED par rapport aux références métiers, et peut-être d'essayer d'avancer un peu sur technologiquement un petit peu plus ce que c'est que la LED et comment est-ce qu'elle change un peu les façons de faire. Mais. Déjà, si on veut parler de durée de vie, il y a besoin que je te pose une question. C'est vrai que le réflexe par rapport au passé, c'est toujours quelle est la durée de vie de la LED. Mais comme je disais tout à l'heure, la LED est un composant électronique au même titre que tous les éléments qui vont graviter autour de la LED. L'alimentation, la gestion électronique, les drivers, tous ces composants sont des composants électroniques et ont tous une durée de vie de LED. Donc il n'y a pas seulement la durée de vie de la source en elle-même, mais il y a aussi l'alimentation. Ça ne sert à rien d'avoir des LED qui durent 50 000 heures ou 100 000 heures si derrière l'alimentation est donnée pour 20 000 heures. C'est un petit peu le gros problème, mais c'est peut-être des choses qui sont déjà arrivées avec l'expérience dans un théâtre. C'est qu'il y a d'autres composants qui lâchent avant. Après, ce qui est extrêmement difficile, c'est de quantifier, parce que ça demande des tests et des mesures qui sont très compliquées statistiquement pour faire évaluer l'ensemble, la durée de vie d'un produit, et ça demande beaucoup de moyens. Et c'est vrai que la plupart des fabricants n'ont pas des structures suffisamment grosses pour faire ce genre de tests. Donc la seule chose qu'on peut fournir facilement, c'est la durée de vie de la LED donnée par le fabricant de LED. Et c'est la donnée que tout le monde va proposer, à part un ou deux fabricants qui donnent des vraies mesures, mais sinon, la plupart des fabricants vont se référer à la vie de la LED donnée par le fabricant, par le fournisseur de LED. Il ne faut pas oublier que cette donnée-là, elle est donnée pour des conditions d'utilisation qui ont certaines limites. Et c'est là où la thermique va rentrer en jeu et la façon dont on va utiliser la LED. Certains produits très compacts, mal ventilés, forcément, ça va influer sur la durée de vie du produit. Et ça, c'est déterminant. Il y a aussi le fait que certains fabricants, pour avoir beaucoup plus de lumière, vont avoir tendance à booster, à suralimenter la LED pour avoir plus de flux. Et ça aussi, ça va jouer sur la durée de vie de la LED. Donc, il y a les données données par... Enfin, on a les données du fabricant. Après, il faut... l'enjeu, pour nous, c'est vraiment de respecter les conditions optimales pour obtenir le maximum de cette source. Ouais. Plutôt à cet endroit-là. Est-ce qu'on parlait donc, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de durée de vie, mais on parlait par exemple des sources qui sont derrière nous, qui ont 20 ans, 30 ans, sur lesquelles on se posait moins la durée de vie, mais en même temps, combien de fois on a changé la lampe? C'est-à-dire que le projecteur, il est toujours là, mais par contre, la lampe, on l'a changée une fois par an, deux fois par an, j'en sais rien. Donc c'est vrai que c'est aussi la différence, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, on envisage l'utilisation de ces projecteurs en termes de durée de vie, c'est-à-dire que de manière complètement. On consomme le projecteur, quoi. C'est-à-dire que le projecteur, au bout d'un moment, il est rincé et on est moins dans cette question de dire bon bah hop, on va changer la source de lumière. On se dit bon bah voilà, maintenant la LED elle commence à être abîmée. Je trouve que c'est un vrai changement. Alors qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais, moi j'ai utilisé des projecteurs la semaine dernière qui avaient 50 ans ou 60 ans, mais pareil, oui. C'est-à-dire que les lampes avaient été changées. Oui, ils avaient changé les culots. Finalement, c'est la carcasse en métal
qui a 50 ans, 60 ans, et puis peut-être éventuellement la lentille. Oui, la lentille est toujours la même. Voilà. Mais ce qui fait la source même de lumière, en revanche, elle avait une durée de vie bien inférieure à 10 000 heures, 15 000 heures, et beaucoup plus tributaire, en plus pour le coup de l'utilisation, de si on l'allume, on l'éteint, si on la fait chauffer, si on la choque, tout ça. Et puis les projecteurs qui ont 50 ans ont déjà vécu des changements en interne dans les projecteurs pour passer déjà de l'épiscope à l'halogène il y a une vingtaine d'années. Voilà, ce qui fait que c'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant, puisqu'on peut changer les socles dans les découpes chez Julia Boulefette. Le bloc lumière halogène, le remplacer par un bloc lumière LED. Alors, ça, on avait fait ça la première version en 2010. C'était Robert Julia avait sorti la première découpe LED au monde, découpe LED utilisable en théâtre, de puissance suffisante. Et on avait un bloc qui se mettait sur les 600 SX. Et c'était à l'époque un bloc de 85 watts. Et si on le cherchait en termes d'équivalent, on était à 600 watts halogène. Donc c'est vrai que c'était une première étape. C'était un petit peu léger encore en termes de puissance. Et le problème, c'est qu'on a dû abandonner cette technologie, cette solution de remplacement. Parce qu'en montant en puissance de LED, il a fallu qu'on augmente l'échangeur thermique. Et là, on ne pouvait plus avoir de solution de remplacement, d'intégration dans les corps de 600 SX. Donc on est passé par une gamme avec une lanterne optimisée et plus grosse. Et depuis l'année dernière, on a ressorti, parce que la technologie a forcément évolué, en termes des LED, de l'efficacité des LED et aussi des refroidissements. L'année dernière, on a ressorti un kit qui permet de passer avec sur n'importe quel 600 SX, de pouvoir changer la trappe et d'utiliser une source qui fait 130 watts, 115 watts exactement, de LED, et d'avoir un peu plus de 1000 watts halogène. Pour quel coût moyen ? On est en prix tarif, on est à moins de 900 euros la trappe. Ah oui. Oui, c'est effectivement une des solutions possibles pour le renouvellement du parc Théâtres. C'est une solution qui est intéressante, on a très bon retour, parce que c'est une solution non destructive. Ce qui fait que pour un théâtre qui a encore besoin d'utiliser de l'halogène sur certaines productions, c'est extrêmement, ça prend une minute, deux minutes à changer et à revenir sur l'halogène pour pouvoir utiliser l'halogène sur certains spectacles. Donc on vient pas, c'est pas un changement d'état du projecteur. On peut basculer et choisir entre la LED et l'halogène. Et sur le plan optique, on a la même qualité ? On améliore même en termes de projection, on arrive même à améliorer. Donc voilà, donc c'est une solution qui remporte un vif succès, puisque ça permet vraiment d'utiliser tous les projecteurs existants sur le marché. Et en plus, on vient sur un... Ça ne nécessite pas forcément des gros investissements ou de demander des budgets d'investissement. Ça peut passer sur du budget courant et en termes de relampage et de pouvoir commencer petit à petit à se convertir. Donc pour l'instant, on a fait ça du blanc fixe. On a blanc chaud ou blanc froid, parce que ça, c'est ce qui demande le plus possible. Et on va bientôt sortir une version couleur qui permettra de gérer de la couleur sur le même principe. Comment... je pense que on a tous été confrontés à ça, en tout cas dans les premiers projecteurs LED. La LED change un petit peu le système. C'est-à-dire qu'avant, on parlait quelque part de projecteur, de gradateur. Maintenant, c'est au sein d'un même projecteur, on a un système d'éclairage presque, qui est capable à la fois d'émettre de la lumière, en même temps de graduer la lumière. Et on a tous vu quand même que les premières gradations de LED, et encore celles, il peut en rester si on n'y prête pas attention, n'étaient pas toujours adéquates. Comment est-ce que vous gérez ça en termes de fabricant, ou comment est-ce que vous, dans vos différentes expériences, vous veillez à cette chose-là, d'avoir une résolution suffisante pour graduer proprement la LED? Au TCE, on a un une habitude de test, le crash test, en fait, chaque fois qu'on teste des LED, c'est un 0 à 30% en 2 minutes, sur un écran blanc, dans les conditions les pires qu'on n'aura jamais en live. Mais à partir du moment où il y a trop de pas, on élimine direct. D'accord. En fait, on ne se voit pas au service lumière proposer des projecteurs qu'on sait faibles à cet endroit-là. Surtout qu'on peut être sur des très longues montées avec certains éclairagistes, des montées très lentes, et si on se retrouve avec des paliers
Sur une face, ça pourrait à peu près se gérer. Sur un cyclo, c'est juste improbable. Donc, on va dire que pour l'instant, on attend. Sur certains types de projecteurs, on attend que ça soit encore plus parfait. Ouais, je comprends. C'est vraiment sur les démarrages. On l'a tous constaté, le 0-1 point est toujours très difficile. Mais si on vraiment le 0-30 point en 2 minutes, c'est quelque chose qui est assez fatal sur beaucoup de projecteurs. Parlais du quand on va vers un blanc, ça va à peu près. Et dès qu'on va vers une lumière, une couleur saturée, déjà là, on pose beaucoup de problèmes. Mais c'est un moment très intéressant justement de pouvoir tester, regarder, discuter avec les fabricants aussi, voir ce qu'ils proposent aussi comme solution et comme biais des fois certaines problématiques. Quoi. Excuse-moi, je vais intervenir parce que j'ai des questions qui rebondissent un peu sur la discussion actuelle. D'abord une très bonne remarque de Ludwig sur la durée de vie des LED qui est beaucoup plus longue et donc qui du coup se rapproche de la durée de vie du projecteur. Et aussi une question dans le contexte actuel, un peu flou. Quand est-ce que l'on pourra réellement investir pour la bascule en LED d'un théâtre? Bon, c'est la question de fond. Hein. Et est-ce qu'on doit attendre le moment de l'interdiction ou pouvons-nous étaler l'investissement d'ici 2025? Des ententes entre les lieux de spectacle pour un choix de référence standard est-il envisagé? Et il faudrait déjà arriver à définir un standard, parce que c'est peut-être ce qui nous manque, parce que la difficulté actuelle, c'est la multiplicité des modèles proposés, qui sont éventuellement tous bien, mais qui sont tous différents, et du coup, quand on passe d'un théâtre à l'autre, en tournée, en reprise, même simplement en connaissance et en maîtrise des outils, c'est très compliqué pour nous, éclairagistes. Bah, je pense que c'est vraiment l'une des grosses galères du moment actuel. Pour répondre aux questions sur les investissements, on aura un chapitre un petit peu plus tard dans cette table ronde. D'accord. Peut-être on arrivera à esquisser quelques pistes. Donc je propose peut-être qu'on continue. Qu'on l'ouvre à ce moment-là. Mais la question est évidemment brûlante. Et il y a plein de choses à en dire. Comment, Pierre, tu organises, vous, au Théâtre des Champs-Élysées, l'accueil d'un créateur? C'est-à-dire qu'on découvre on voit que les projecteurs LED, typiquement, si on veut avoir une gradation qui soit très fine, il va plutôt falloir rentrer de tel mode dans le projecteur. Mm-hmm. Par contre, si on veut pouvoir faire un flash d'un coup, ce mode-là ne va pas fonctionner, donc il va falloir sélectionner un autre mode. Et puis, si on veut piloter les couleurs d'une certaine manière, il va falloir choisir un autre mode, etc. Donc, on se retrouve facilement, finalement, avec une découpe, par exemple, qui a 20 modes de fonctionnement différents. Donc, il faut quand même arriver à connaître de manière relativement intrinsèque et qu'il faut aussi arriver, quelque part, à communiquer au créateur lumière, j'imagine. Enfin, comment se passe un petit peu cette... Ça commence plus par connaître son appréhension du projecteur. Ouais. Parce qu'en tout cas, au Théâtre des Champs, pour l'instant, on a assez peu de LED. Donc, c'est des choses qui elles se rajoutent au projet, c'est à la demande de l'éclairagiste. Mm-hmm. Du coup, on aura tendance à s'aligner sur comment lui va parler avec ce projecteur-là. S'il travaille en RGB ou en HSI. On essaie de s'adapter à sa façon de travailler, histoire de ne pas nous galérer après sur lui proposer quelque chose et pas arriver à restituer ce que lui veut, alors qu'il sait que c'est possible avec ce projecteur-là. Pour l'instant, on fait comme ça. On n'a pas de méthode en interne dont on est sûr qu'elle fait à 100% tout ce qu'il faut. Donc on préfère avoir l'avis de... On demande l'avis de l'éclairagiste à chaque fois. S'il n'a pas d'avis, on choisit. En général, on va partir sur le RGB, parce que c'est le référentiel, en tout cas, sur le travail des LED, en espérant que le jeu gère intelligemment, que la console lumière gère intelligemment la répartition du RGB sur les 7-8 LED qu'il peut y avoir dans le projecteur. Ouais. Mais c'est le référentiel, en tout cas, sur le RGB. J'ai trouvé quelques éclairagistes qui voulaient bosser en HSI, mais c'est une autre gestion, plus compliquée. Il faut que la personne tâche vraiment de se balader dans le cercle. Peut-être, effectivement, la LED, les projecteurs LED amènent quelque chose quand même d'assez précieux, c'est une gestion de la couleur qui ne se fait pas sans heure et qui demande un petit peu un nouveau travail. Enfin, quelque part, ma sensation, c'est un peu qu'on est sur un temps de,
de la référence. C'est-à-dire qu'actuellement, si on parle d'un projecteur plan convexe équipé d'une gélatine en 201, à peu près tous les éclairagistes arrivent à voir, tous les régisseurs lumière arrivent à voir et à quantifier cette lumière. En tout cas, c'est une référence. Il est là. Voilà, par exemple, ici. Voilà. Très bien. Et du coup, c'est une référence qui est plutôt admise et acquise. À l'inverse, quand on se retrouve avec des projecteurs, soit avec un blanc qui peut être soit fixe, soit un blanc variable, soit des projecteurs avec une somme de couleurs, bah, il va falloir arriver à recomposer ce blanc. Est-ce que David, toi, tu as... c'est un vrai changement de oui, travail. Alors, quoi. Oui, c'est un changement d'habitude, voilà, parce que effectivement, moi, je fais partie de cette génération d'éclairagistes qui a appris la face chaude, la face froide, effectivement, le 201, le 206. En tout cas, pour la génération d'éclairagistes français, comme on bosse quand même beaucoup, on apprend beaucoup avec l'e-filter. Mais, et c'est vrai que c'est l'avantage de ça, c'est que où qu'on aille en tournée, en création, on demandait un PC avec 1000 watts, avec un 201 dessus, et on avait toujours un PC 1000 watts avec un 201 dessus, avec, on va dire, la petite variable d'ajustement qui était l'usure de la lampe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé un peu de s'adapter parce que les projecteurs avec la LED, on a une évolution des blancs. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve la difficulté, surtout, elle est plus dans le dialogue, parce que finalement, ce qui était intéressant dans le PC en 201 ou 206, c'est que même, je trouve, dans le rapport de l'éclairagiste avec le scénographe, dans l'éclairagiste avec le metteur en scène, avec le chorégraphe, enfin, je dis le ou là, hein, évidemment, on arrivait même avec ce dialogue-là, c'est-à-dire que, voilà, il y a des metteurs en scène, des éclairagistes ou des chorégraphes pour qui le 201 ou le 206, ça parle, par exemple. D'un coup, il a fallu un peu se réadapter, s'adapter pour recréer un langage. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend un peu du temps. Après, moi, je trouve que le point positif de ça, parce que, voilà, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de dire qu'avant, c'était mieux, c'est que je trouve qu'on a remis aussi au centre de la discussion la notion de température de couleur. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris à faire de la lumière, on me parlait de blanc chaud, on parlait de face chaude, face froide, mais finalement, j'ai mis beaucoup de temps, parce que j'ai appris, j'ai pas eu la chance de faire une école comme l'ENSAT, voilà, j'ai fait un autre parcours de moins bon élève scolaire, mais j'ai appris pendant très longtemps la notion de 2700 degrés Kelvin, 3000 degrés Kelvin, 4000 degrés Kelvin, c'était des choses qui étaient complètement abstraites, qui n'existaient pas pour moi, qui n'existaient pas même dans le dialogue avec un régisseur lumière, avec un décorateur. Voilà. Aujourd'hui, on a recréé, en tout cas sur la notion des blancs, parce que évidemment, la LED, elle pose deux. Enfin, il y a le rapport au blanc, et puis après, il y a le rapport à la couleur qui est une autre question. Mais en tout cas, sur tout ce rapport, je trouve au blanc, au spectre du blanc très chaud, au blanc très froid, on a vraiment complètement réintégré cette notion de température de couleur. Qui pour le coup, bah voilà, est une notion qui est universelle et qui, bah alors les gélatines, on cherchait les équivalences entre tout d'un coup on travaille en Amérique du Nord plus sur Game Color, alors on allait chercher l'équivalent du 201 avec un autre fabricant de gélatine par exemple ou avec Roscoe ou tout ça. Alors que finalement maintenant dans le dialogue, bah voilà, quand on dit moi je veux travailler à 2700 degrés, je veux travailler à 3000, à 4000, et on a un peu rejoint, je trouve, le cinéma là-dessus, enfin, sur ces choses où dans le cinéma, en vidéo, on travaille la température de couleur, c'est-à-dire que quand on va sur un tournage, moi le premier que j'ai fait, où j'ai dit moi je voudrais un 201, le mec a dit mais attends, mais c'est quoi? Ah, c'est un demi de CTB ou un full CTB, tout ça, on parlait pas le même langage. Parce qu'évidemment, eux résonnent en température de couleur. Et je trouve que ça pour le coup, c'est une notion de lumière, je trouve, et de référence qui est revenue, et qui en plus est une référence qui a l'avantage d'être universelle, j'allais dire, dans le cadre professionnel, mais en plus même dans le cadre universel. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui va chercher une ampoule, va acheter une ampoule pour chez lui, pour sa table de nuit, sur l'ampoule, il y a écrit 2700 degrés Kelvin. C'est-à-dire que même dans le dialogue extra-professionnel, on s'est recentré sur une notion, je trouve, de couleur. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant, et notamment par rapport au dialogue justement avec les régisseurs d'accueil,
Ça, pour le coup, c'est vachement bien, je trouve, de se recentrer sur ces questions de température de couleur. Et 4000 degrés ou 5000 degrés, bah, là, pour le coup, il n'y a pas de discussion possible voilà, sur ce que c'est comme type de nature de blanc. Quoi. Ça, je trouve que c'est... En ça, on s'est un peu... progressivement, on reglisse, vraiment, on remet cette référence. On a retrouvé d'autres références. Quoi. D'autres références, et qui sont, j'allais dire, presque les premières, parce que finalement, dire un 201, on a pris une norme, comme on dit, voilà, comme tout d'un coup, c'est imposé Frigidaire, ou je sais pas, parce que c'est une marque, quoi. Alors finalement, là, on se remet vraiment sur des valeurs de lumière qui sont objectives, et j'allais dire, plus scientifiques, entre guillemets, quoi. Ça, je trouve, c'est vraiment... comment voilà progressivement c'est ce référencement et encore une fois surtout je trouve qu'aujourd'hui où on navigue on a la chance de pouvoir naviguer sur des en tout cas via la lumière via des supports de travail de création qui sont divers que ce soit l'image que ce soit la muséographie que ce soit l'architecture voilà ben ça c'est pareil c'est-à-dire que ça nous crée vraiment un langage qui nous unit sur ces références-là, là où avant, par exemple, je trouve que la lumière de spectacle avec cette histoire de gélatine ne concernait finalement que les gens qui faisaient de la lumière de spectacle, quoi. Et la muséographie aussi, parce que quand même on l'utilise, mais ça, je trouve ça, ouais. Voilà, je trouve ce glissement-là, et qui pendant longtemps, on est un peu dans le flou, enfin, on a eu du mal à rebasculer dessus, mais je trouve que là, maintenant... on s'est vraiment réaxé sur ces références-là et je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, je ne sais pas comment vous travaillez dans l'enseignement, par exemple, sur ces notions-là. Est-ce que ça a évolué, par exemple ? Est-ce que l'enseignement de la lumière, est-ce que maintenant vous parlez plus des Kelvin qu'avant ou pareil ou... On avait toujours inclus un peu de photométrie et de colorimétrie dans nos cours, mais c'est vrai que ça prend aujourd'hui une importance plus grande et que les habitudes de langage et la façon... C'est tellement difficile de mettre des mots sur la lumière qu'effectivement, avec ce glissement-là, on va apprendre petit à petit à être plus précis, sans doute, oui. C'est d'ailleurs étonnant de relever que... Parce que chaque année, on enseigne ici les notions de température de couleur, de voir à quel point c'est mal enseigné dans l'enseignement général. Même pour des gens qui ont fait un cursus en physique, hein, bien souvent, elle reste assez floue, cette notion. Mais oui, effectivement, ce glissement est pertinent, oui. J'ai une petite remarque de vocabulaire. Il paraît qu'on ne dit pas degré Kelvin, mais Kelvin tout seul. Ah, tout court. Donc merci. 3200 Kelvin ou 6000 Kelvin. C'est Kelvin. C'est, voilà. c'est Kelvin. Pas un degré. J'ai commencé en disant que j'avais été mauvais à l'école. Alors, j'apporterai une petite précision, parce que là où il y a aussi une nuance à faire, c'est que deux projecteurs peuvent avoir la même température et pourtant un spectre totalement différent. Et ça, c'est assez flagrant. On peut avoir la même température et un projecteur qui va être plus dans le vert et l'autre plus dans le magenta. Et donc ça, c'est parce que la courbe de Planck qui permet d'établir la température de couleur, on peut être au-dessus ou en dessous de la courbe. Et c'est la donnée de delta UV qu'on va utiliser pour pouvoir situer le point du blanc autour de cette température. Donc ça permet aussi de savoir si deux projecteurs sont dans la même tendance ou comment corriger un projecteur. Est-ce que ça rejoint la problématique actuelle que l'IRC est plus valable du tout comme indice de comparaison et qui est remplacé par des nouveaux systèmes de mesure qui rendent davantage compte de tout le spectre. L'IRC a été créé pour le développement des fluorescents. C'était pour essayer de pouvoir, quand il y a eu le développement des lampes des tubes fluorescents, il a fallu utiliser un nouvel outil pour pouvoir qualifier la qualité d'un projecteur, enfin d'un tube fluorescent. Donc l'IRC a été développé à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on le développe, on l'utilise sur 8 valeurs. C'est 8 échantillons de couleurs qui ne sont pas forcément représentatifs. Donc il y a différents... Je devance le prochain sujet. C'est très bien, c'était la transition. Je n'ai pas eu besoin de poser la question. Alors, continue. Pardon, tout feu pas, mais continue. Donc en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux indices qui sont en train d'apparaître, qui sont développés soit par des sociétés, des associations américaines, ou notamment avec le TM30, qui a été développé très récemment, qui permet non seulement
le référentiel d'utilisateur est légèrement différent, donc il va pouvoir aussi prendre mieux en compte l'œil humain et l'observateur, mais aussi le nombre de tests. Au lieu de tester sur 8 valeurs, on va avoir, parce qu'il faut savoir que le CRI, il est, souvent on voit 15 valeurs, mais la valeur moyenne n'est que sur les 8 premières valeurs. Donc si surtout la bande 8, qui est le rouge, est mauvais, il ne rentre pas en compte dans le CRI moyen. La 9e, pardon, le R9. Donc le TM30, est composé de 99 valeurs. Donc là, on est des échantillons beaucoup plus représentatifs. Et une des valeurs mesurées par le TM30 vient d'être validée par le Comité international de l'éclairage, CIE, comme une référence de mesure. Donc c'est l'indice ERF du TM30. Mais il y a d'autres valeurs comme le CQS, Color Quality Scale. Il y a beaucoup de nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Et après, il y a aussi des indices de calcul liés à des utilisations spécifiques, puisque tous ces indices-là qu'on vient d'évoquer sont pour l'œil humain, mais ne sont pas révélateurs pour une caméra de télévision ou une caméra de cinéma. Donc, la BBC a travaillé sur le TLCI pour pouvoir quantifier la qualité d'un projecteur par rapport à une caméra. Et il y a d'autres mesures qui sont arrivées pour toute l'industrie du cinéma, c'est le SSI, qui est un indice sur 100 et qui rend aussi la qualité par rapport à une source de référence qui peut être utilisée dans le cinéma. Donc voilà, c'est tout des nouveaux indices qui permettent de qualifier le blanc. Mais moi, je pense que le plus important, et c'est d'apprendre à voir le spectre lumineux, vraiment à mesurer le spectre lumineux. Désormais, dès que je fais une démonstration ou des tests, j'ai un spectromètre pour mesurer le spectre en lui-même et analyser le spectre. Parce qu'on se rend compte que même avec des valeurs élevées, on peut avoir des trous dans le spectre, on peut avoir des choses, et c'est la connaissance du spectre qui est importante. Parce que finalement, on peut avoir deux projecteurs pas très bons, mais s'ils sont complémentaires, finalement, le résultat peut ne pas être mauvais. Et je pense que c'est là où c'est le travail de l'éclairagiste, de connaître un petit peu ses sources et de savoir qu'est-ce qui peut se mélanger entre eux. Parce que finalement, c'est le résultat à l'arrivée. C'est pas les projecteurs isolés qui ont de l'importance. Qu'est-ce qu'on veut faire sur scène. Ou un défaut sur un projecteur peut être aussi un effet recherché. Donc c'est avoir des outils de mesure pour pouvoir mesurer le spectre lumineux va devenir aussi quelque chose d'important dans le futur, je pense. Mmh. Oui, ça peut être un juge de paix un peu. Ouais. L'œil humain, en fait, se fait berner très facilement, on le sait. Il suffit de passer un temps avec des lumières halogènes et on n'aura pas du tout la même perception dès qu'on va dehors et vice-versa. Donc c'est vrai qu'avoir un appareil de mesure, comme on avait un luxmètre aussi pendant des années, peut être maintenant, pour mesurer la qualité de lumière, va être quelque chose d'important, oui, dans le futur. Vous avez franchi le cap ? Moi, gauche. Pas encore. C'est encore un petit peu cher, les petits modèles. C'est pas donné. C'est un investissement pas donné. Mais pour répondre à ta remarque du début sur les lumens, si on regarde, il y a 15-20 ans, tout le monde ne jurait que par le luxe, sachant que la répartition du point chaud était toujours la problématique, parce que ça, c'était pas représentatif du projecteur. Les gens maintenant commencent à intégrer le flux total, donc tout ce qui est généré par le projecteur en lui-même, mais on se rend compte qu'en fait, il faut aller toujours gratter dans les documentations des fournisseurs, parce que pour prendre le cas du PC, en fait, le flux va être totalement différent si on est en faisceau serré ou en faisceau ouvert. Mm-hmm. Et donc, c'est là où il faut toujours aller voir finalement le flux. Il y a certains fabricants qui vont annoncer 50 000 lumens, mais c'est en grand angle, dans certaines conditions, avec un IRC de bas niveau. Donc, une fois qu'on met les filtres correcteurs, qu'on met certaines fonctions et dans certains zooms, finalement, on est un flux nettement moindre. Donc, il faut toujours regarder la mesure, dans quels paramètres et associer cette mesure. Et puis les fabricants ont toujours tendance à optimiser ces courbes. Il y a 10 ans, nous, on avait comparé une certaine partie de notre parc avec les notices et on était toujours en dessous. Hein, quand c'est toujours dans les meilleures conditions. c'est le jeu. Christine, si je te pose une question du genre, est-ce qu'on est en train de vivre une mutation à l'image du passage de l'éclairage au gaz à l'éclairage électrique. Est-ce qu'on arrive à tirer des parallèles avec la situation actuelle ?
en posant la question différemment, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu une influence sur l'image chénique de ces mutations d'éclairage chénique ? Et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer peut-être pour la suite ? Oui, des répercussions, bien sûr. L'éclairage scénique a connu deux grandes mutations, pour faire court. La première, c'est l'éclairage au gaz. Donc là, on est en 1820 à peu près, jusqu'à l'entre-deux-guerres, hein, puisqu'à l'entre-deux-guerres, il y avait encore des rampes au gaz qui marchaient dans pas mal de théâtres parisiens, qui a été une période, une mutation technologique terriblement meurtrière, avec des milliers de morts d'être allés au théâtre à l'époque, puisqu'on rajoute au risque d'incendie les risques d'explosion. Mais si on a transformé les théâtres en usines à gaz, puisqu'au départ les gazomètres étaient dans les dessous, c'est parce que le gaz permettait enfin le contrôle de la lumière et de pouvoir, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les lampes à huile et les chandelles d'avant, où on était obligé d'intervenir sur chaque source. Là, on a possibilité d'intervenir sur plusieurs sources en même temps, de baisser le niveau, de faire un passage d'un effet à un autre. Et on voit à quel point ce besoin esthétique a mis en danger, et plus que ça même, des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Bon, l'histoire de l'éclairage au gaz est absolument terrible. Le second bouleversement, changement de paradigme dans l'histoire de l'éclairage, ça a été le passage à l'électricité, avec d'abord au milieu du 19e, les lampes à arc, qui était plutôt réservé à l'éclairage urbain et à quelques effets ponctuels du genre lever de soleil, des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas eu énormément de changements sur le décor. Le gaz, lui, a tout de même, avec le gaz, j'ai quand même oublié de préciser une chose, c'est que l'augmentation de l'intensité a fait que les toiles peintes, par exemple, à partir de l'ère du gaz, ça commence... Première application du gaz à la Comédie-Française, on est en 1830, et on voit à partir de là les toiles peintes beaucoup plus détaillées. Il y a beaucoup plus de soin qui est porté aux toiles peintes, parce que l'éclairage est plus puissant, donc on la voit beaucoup plus, et on n'a plus ce perpétuel rideau de fumée qui était engendré par les lampes à huile. On a également avec le gaz l'apparition des herses en hauteur, et donc le comédien qui va rentrer à l'intérieur du plateau, qui va pouvoir quitter la rampe, puisque jusque-là, c'est la grande actrice, Madame Ricobini, qui disait à Voltaire, à trois pieds de la rampe, une actrice n'a plus de visage. Donc, dès qu'on s'éloignait de la rampe, on ne voyait plus. La herse va, d'une certaine façon, vraiment accélérer l'entrée en scène du metteur en scène. Puisqu'à partir du moment où les comédiens peuvent quitter la rampe et évoluer sur le plateau, on va avoir besoin d'un œil extérieur. Donc ça, c'était le premier grand bouleversement. Le second, donc avec l'électricité, donc lampe à arc, c'est d'abord plus des effets spéciaux. Mais à partir de 1880, on va remplacer les becs de gaz ou les chandelles par des ampoules électriques. Et là, c'est la cata. Clairement, sur le plan esthétique, c'est vraiment l'horreur, parce que tout le trompe-l'œil, toutes les toiles peintes, le théâtre d'illusion n'était absolument pas prévu pour ce niveau d'intensité. Et donc là, ça va vraiment avec même des gens comme Louis Jouvet, qui pourtant ont fait beaucoup de choses en éclairage, qui disait « mais l'électricité n'est qu'une mode qui passera », avec des détracteurs vraiment qui étaient contre. Un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, hein, où il y a encore quelques dinosaures parmi nous qui continuons parfois à râler contre la LED. Et donc oui, il y a ce bouleversement. Et ensuite, bien sûr, l'apparition du filament de tungstène, dont on va bientôt fêter l'enterrement, mais... qui est apparu, lui, juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est souvent les technologies de la guerre qui amènent les bouleversements technologiques. Et donc, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on va développer des projecteurs directifs, d'abord pour l'aviation, et ensuite qui seront, entre deux guerres, appliqués à l'éclairage scénique. Et là, on voit donc l'apparition du PC tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec lampe à filament de tungstène, qui permet de diriger le regard. Et ce qui est intéressant historiquement, c'est de voir qu'il est contemporain de l'apparition vraiment officielle du metteur en scène. C'est diriger le regard sur une œuvre, diriger le regard sur le plateau. Et on a effectivement, à partir de l'électricité, c'est comme si l'électricité avait aidé à chasser les dernières toiles peintes pour aller vers le décor en volume, pour aller vers des choses beaucoup plus... et aller également, avec l'électricité, vers des lumières plus poétiques. Puisque, étonnamment, dans l'histoire de l'éclairage, jusqu'à l'électricité, on s'est toujours attaché à reproduire les effets du ciel, sans jamais y arriver, avec des toiles peintes et une illusion qui valait ce qu'elle valait. Mais c'est vraiment la poésie de la lumière est venue aussi avec cette maîtrise, avec l'électricité. Et aujourd'hui, oui, bien sûr qu'il y a un réel changement de paradigme. J'ai discuté avec un ami qui est chef plateau à Orange, au Corégie d'Orange.
et qui me disait, alors évidemment, ce changement, on ne peut pas l'attribuer uniquement à la LED, il faudrait faire un package avec les projecteurs asservis, le mouvement de la lumière, avec la vidéo et le traitement du signal en temps réel. Voilà, c'est tout un ensemble de technologies avancées qui aujourd'hui sont en train vraiment de chasser le décor lourd pour aller vers du décor virtuel et de la projection et de la lumière de plus en plus présente. Au Corégie d'Orange, jusqu'en, moi j'y ai plusieurs fois travaillé, jusqu'en 2005-2010, c'était encore du décor lourd. Aujourd'hui, ça n'est plus que de la vidéoprojection, des faisceaux visibles, des faisceaux matiérés. Et puis on voit aussi à quel point les couleurs saturées, également parfois un petit peu trop, sont en train de modifier complètement l'esthétique aujourd'hui. C'est le gros gain, c'est le gros, enfin, au niveau de la couleur, c'est quand même l'énorme gain de la LED, c'est les couleurs saturées. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, pour remplir un plateau d'un bleu hyper dense ou d'un rouge très présent, on remplissait le grill de source-lumière, avec la difficulté en plus dans les bleus de maintenir les filtres, plus de deux représentations d'affilée sans qu'ils crament. Donc c'est vrai que ça, oui, au niveau de la couleur, la LED, c'est le gros champ. Enfin, c'est un des, en tout cas pour en conception, vraiment pour en création de lumière, c'est un virage complet d'appréhension de la couleur, de la manière de la travailler, du scénario colorimétrique qu'on construit, voilà, et qu'on tisse tout au long d'un spectacle. Ça, c'est un vrai. C'est un vrai changement, adaptation, et oui, et un gros plus. Alors avec ce que tu décris, Christine, c'est vrai, c'est la tentation et la facilité d'aller tout de suite dans des teintes très saturées, et c'est vrai. Et ça, c'est aussi un peu le mais bon, comme tout, mais nous ne sommes pas là pour juger. Voilà. Oui, et puis on le voit sur la Fête des Lumières. Mais il y a une facilité en tout cas. La Fête des Lumières. Et puis on en reviendra. Enfin, puis c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est ouais. Peut-être. C'est comme les décorations de Noël. Il y a eu un moment, c'était insupportable. Maintenant, ça redevient à peu près regardable. Juste une parenthèse. Internaute, Luc Mathieu du Théâtre Jean-Claude Carrière, pour parler de la nouvelle révolution et de la dernière du dernier changement. Le Jean-Claude Carrière de Montpellier. Donc, qui est 100% LED depuis 7 ans. Mm-hmm. Et il témoigne que c'est sans aucun problème et que ça se passe très bien et qu'il y a un bon vieillissement, qu'ils n'ont pas trop de problèmes de vieillissement des couleurs. J'ai eu d'autres sons de cloche. Mais là, c'est le témoignage qu'il nous donne. Et voilà. Donc, juste, je voulais rapporter ça par rapport à l'étape suivante, après le gaz, l'électricité, la LED. Voilà. Effectivement. Non, c'est un bon témoignage. Parce que, notamment, ce théâtre-là est un peu l'un des précurseurs à être passé en 100% LED. Donc, c'est un peu le pilote, quoi, de cette transition-là. Peut-être dans les mutations de l'éclairage, c'est aussi là, on a parlé de la LED peut-être en tant que projecteur, mais on a aussi cette LED qui est aussi miniature, qui peut s'immerger, qui peut s'intégrer au décor, qui peut aller un petit peu de partout. Et il répond en direct. Ah. Donc Mathieu, ils ont eu 3 réparations électroniques en 7 ans. Ok. C'est bien. Oui, quelle marque. Est-ce que tu as des... Ah bah la miniaturisation, oui, ça, Pierre, ça, hein, je pense que vous avez des... ça a changé le... On en parlait un peu tout à l'heure, ça a changé le... Oui, quand même, la vie... Enfin, déjà, la relation, je trouve, entre le concepteur lumière et le scénographe a été un peu modifiée, a été enrichie, on va dire, par cette possibilité. Aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, je vais accompagner le facteur LED, je vais le coupler aussi avec le facteur DMX-HF quand même, parce que c'est quand même, je trouve, pour moi, les deux choses qui ont permis ça. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, déjà, un, on intègre de la lumière dans un décor de manière discrète, de manière extrêmement simple. Mais moi, je trouve que le grand bénéfice, c'est aussi justement le fait de dire on commence à avoir une lumière mobile sans fil, pilotable depuis la régie. Et ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire que on se pose plus la question de dire, enfin, n'importe quel accessoire maintenant, un aquarium qui rentre sur une table, un costume,
des modules scénographiques. Enfin, je pense moi, un spectacle qu'on a fait où c'était tous les décors étaient faits, c'était des blocs creusés comme ça avec des pièces tout sur roulette manipulées par des régisseurs plateaux avec voilà tout équipé en LED sur batterie, piloté à distance par la console. Donc les régisseurs plateaux n'ont plus déjà un les câbles dans les pieds au moment où ils manipulent. Enfin tout ça. Et puis ça, là, c'est vraiment une liberté. D'amener la LED, enfin d'amener la lumière, je trouve, dans le moindre détail, sans contrainte d'alimentation, de durée aussi. Alors évidemment, sauf si on part sur trilogie de Wagner, sans possibilité de changement de batterie, mais c'est vrai que sinon, on arrive quand même à avoir des longueurs de spectacle en autonomie complète et avec une fiabilité d'utilisation et de signal qui est vraiment géniale. Enfin, je ne sais pas, vous... On a souvent des décors avec de la lumière embarquée, et ça va au point où c'est les constructeurs de décors qui le prennent en charge. Ouais. C'est vrai, c'est rentré dans les demandes, ça rentre dans le cahier des charges des décors, et c'est les constructeurs, avec les conseils des théâtres utilisateurs, qui l'intègrent dans la construction et dans le coût de construction. Du coup, c'est des compétences que certains ateliers ont dû intégrer. Ça, c'est dans les bonnes conditions. Les mauvaises conditions où on se retrouve, le service lumière, à prendre en charge ça. C'est-à-dire que le grand avantage, c'est que la technologie est quand même très simple à développer. Une batterie de voiture, un driver et du ruban de LED et un récepteur DMX, et ça roule, quoi. Ouais. C'est quand même... Il y a 10 ans, c'était juste improbable de faire ça, ou hors de prix. Mmh. Maintenant, ça reste très abordable et très facile à mettre en place. Mais du coup, par contre, le ruban de LED, lui, est devenu un vrai consommable. Oui, c'est sûr. Ça reste de l'électronique qu'on utilise sur un one-shot. C'est très difficile de récupérer ce ruban de LED. Quand on a démonté le décor, c'est presque ça part à la poubelle. Ou ça va dans la cantine des choses, on verra. Un jour, ça resservira. Sachant que là, 3 ans après, on aura peut-être la longueur, mais certainement pas, vu que ça va très vite dans la LED. C'est que du coup, la puissance au mètre linéaire, plus personne n'en veut, quoi. Oui. On peut réutiliser les drivers et les batteries, les transfo, mais vraiment la LED, pour le coup... Est-ce que vous avez mis en place des standards de câblage, par exemple? On en discute. Ouais. En interne, avec d'autres maisons, pour l'instant, il n'y a rien de standard. Il y a les grosses maisons qui ont... je pense à l'Odonon, notamment, qui a carrément fait ses transfo drivers en boîtier, racable. Ils ont lancé des plans, ils sont allés faire plier l'atoll. Et des maisons qui ont un peu moins les moyens et le temps, qui continuent à mettre les drivers, les transfo dans des boîtes plexo, ce qui est notre cas, par exemple. Mmh. Et avec toujours, on essaie de faire quelque chose qui se ressemble et de l'améliorer au fur et à mesure. On invente encore beaucoup sur ce principe-là. Je pense qu'on les événementiels, ils sont beaucoup plus forts. Et ça existe déjà, en fait, déjà raqué, quoi. Oui, c'est... Après, le problème, c'est que... Ce ruban de LED, donc, qui est un peu l'espèce d'objet comme ça, qu'on coupe tous les 10 cm. En fait, c'est tellement quelque chose de modulable qui fait qu'en fait, c'est compliqué d'établir une norme parce que, en fait, chaque utilisation, on la conçoit par rapport au projet. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué de... Alors évidemment, dans l'événementiel, c'est pareil, c'est très compliqué. C'est pas comme un lieu qui peut essayer de récupérer les éléments. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, oui, c'est très clairement du consommable. C'est vrai, il y a un peu cette notion-là, mais parce que c'est très complexe. Tout est tellement sur mesure à chaque fois, en fait, et un spectacle, ça joue plusieurs fois, alors que souvent un événement, c'est un one shot. Donc on se pose en plus pas du tout les mêmes questions. Mais c'est vrai que cette modularité, en revanche, je trouve que c'est un apport. Moi, je pense à plusieurs spectacles sur lesquels je travaillais, sur lesquels on a fait des faux fluos avec du strip LED qui nous permettaient du coup de faire des perspectives, donc de donner l'impression d'avoir un plafond de tube fluo, sauf que c'est un tube PVC avec un diffuseur dedans et du strip LED dedans. Du coup, le premier peut faire 1 mètre, le deuxième 90, le troisième 80 cm et ainsi de suite. Et tout d'un coup, on donne l'impression visuellement d'avoir un plafond de fluo avec la perspective, ce qui évidemment ne serait pas possible avec du tube fluo. Et en plus, le tube fluo, il peut tout d'un coup devenir rouge, bleu, vert. Donc ça, c'est quand même
On l'avait fait pour l'Opéra de Katsu avec Jean Lacornerie, par exemple, à la Croix-Rousse, dans, voilà, où l'atelier tout d'un coup se transformait en scène de cabaret à chaque fois qu'il y a. Enfin, ça, c'est vrai que ça ouvre des pans de créativité où tout d'un coup on crée sa, enfin, on crée sa source lumière. Ouais, on crée un peu son objet de décor qui émet de la lumière. Donc c'est vrai que. Oui, avec une facilité, en plus avec quand même un rapport budgétaire, quantité de lumière, qui fait qu'aussi, même il n'y a pas besoin d'être une très grande compagnie nationale pour pouvoir réaliser ce type aussi d'investissement. Une petite compagnie peut le faire. Ou pour des spectacles qui doivent être pouvoir créer beaucoup d'images avec dans une économie de faible temps de montage, tout ça. Je pense au jeune public, je pense au théâtre de rue, tout ça, où on arrive, on se pose, et puis après, un peu, on joue dans la journée. Bah, tout d'un coup, ces outils-là ont amené des possibilités de lumière, je trouve, qui créent vraiment beaucoup d'intérêt. Je vais pas dire qu'on recrée de l'intérêt à faire de la lumière pour ces spectacles-là, mais souvent, moi, je sais, quand j'ai commencé, il y avait un rapport, on disait, bon, spectacle jeune public, on a peu de temps, on a peu de moyens, alors on essayait un peu de faire avec un peu quelques projecteurs, tout ça, mais on tombait. Alors que là, tout d'un coup, on recrée son décor lumière et on l'amène, quoi. On arrive à maintenir la qualité esthétique. Et ça, c'est vraiment, je trouve, super, quoi. C'est une belle évolution, en tout cas, je trouve, de la lumière. Et puis ça permet de garder dans la lumière la dimension de l'artisanat qu'on a un petit peu perdu sur les projecteurs, puisque les projecteurs des générations précédentes, on pouvait intervenir dessus, les bricoler, enlever la lentille. C'est beaucoup moins possible aujourd'hui. On a de plus en plus de rivets pop et de choses sur lesquelles on peut moins intervenir. Mais avec le ruban LED, on a des possibilités artisanales et de petites cuisines qui sont importantes. Oui, ouais, carrément. Et pour revenir sur l'uniformisation du câblage, on va pouvoir commencer à y arriver, parce qu'en fait, admettons, il y a 5 ans, si on était parti sur un câblage type, il y a 5 ans, il n'y avait que 3 types de LED dans un ruban, le RGB. Ouais. Maintenant, on arrive à 5, RGB, blanc chaud, blanc froid. Donc, en fait, heureusement qu'on n'avait pas de standard, sinon il nous manquerait... Refaire un standard. Mais voilà, il faut refaire un standard. Donc là, 5 référentes de LED dans un ruban, je pense qu'on va arriver à quelque chose d'à peu près stable. Tu me prononces pas. Mais voilà, du coup, la création d'un standard de câblage, elle dépend vachement de l'évolution de ce que tu mets au bout, et ça va à une vitesse. C'est dans le sens standard de câblage, standard pilotage. Enfin, c'était au. Je sais plus quel opéra, vous me disiez, mais en fait, à chaque production, on intègre des rubans LED dans le décor. À chaque production, on reprend des drivers. À chaque production, on reprend des moyens de pilotage, etc., etc. Donc, en fait, se poser quand même au bout d'un moment la question de se dire, attends, hop, on dézoome un peu. On regarde un petit peu à l'année le nombre de productions dans lesquelles on va devoir intégrer de la LED dans le décor. Et du coup, comment est-ce qu'on peut arriver à rationaliser un tout petit peu ça pour aussi éviter de mettre à la benne, oui. Pour aussi... ça, les drivers, les tronçons, on les récupère. Dans ce sens-là, quoi, d'arriver à... Du coup, tu te retrouves des fois avec 2 drivers pour piloter un seul ruban de LED. Bien sûr. Mais voilà, oui. ça se... Mais par contre, le câblage, non, on se pose encore des questions sur comment arriver à ce que ça soit solide, pratique, que ça passe partout, que ça garde ce côté simple. Bien sûr. Est-ce que cette intégration de la lumière dans la scénographie... c'est pas un des moyens, justement, enfin, comme tu évoquais, dans le cas du jeune public, mais je crois que c'est nettement plus large que le jeune public, en fait, d'avoir un moyen de garantir sa lumière au fil de la tournée. C'est-à-dire qu'on sait au moins qu'une partie de la lumière qui est intégrée dans la scénographie, bah, elle est stable, et puis éventuellement, elle est même déjà enregistrée dans la conduite, et du coup, ça va bien. Et du coup, je vais me concentrer sur ce qui va demander de l'adaptation, c'est-à-dire un peu l'hétérogénéité des parcs de matériel en tournée, quoi, actuel et surtout à venir. On est en train de glisser tranquillement vers un chapitre des investissements, pour information. Oui, non, mais c'est sûr. Alors, juste avant quand même qu'on glisse là-dessus, c'est vrai que moi, je voulais juste revenir quand même sur un point quand même qui concerne la couleur. C'est-à-dire qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, la facilité de faire des teintes saturées. Mais trop saturées. Trop saturées. Mais c'est vrai que je trouve aussi que ce qui a changé quand même dans notre approche, c'est la capacité de glisser d'une couleur à une autre quand même. Et ça, je trouve que d'à partir d'une même source, parce que voilà, la lumière, c'est quand même
une direction et une couleur. Et donc, à partir de cette, d'une même direction, d'une même source, on change de couleur. Et ça, c'était quand même quelque chose qu'avant, enfin, on superposait, on faisait de la trichromie, on mettait des sources un peu avec différents filtres, et puis on combinait un peu comme ça. Mais déjà, forcément, on démultipliait les ombres. Alors, même si je ne vais pas ouvrir un chapitre sur les ombres avec les projecteurs avec la LED. Ça, c'est encore un autre problème. Mais je trouve que ça s'améliore. Il s'améliore, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que ça, c'est un vrai changement et qui apporte aussi pareil, dans la relation qu'on a avec... dans la manière dont on construit avec... l'accueil lumière dans les lieux, tout ça, qui crée, je trouve, d'autres surprises. C'est-à-dire que avant, quand on créait quand on passait d'une teinte à une autre, d'une couleur à une autre, on maîtrisait entre guillemets cette transition de manière extrêmement facile, quoi. Alors que là, finalement, comme à partir d'une même source, on va partir d'une couleur et puis on va aller à une autre. Bah, des fois, on est un peu surpris des couleurs par lesquelles on passe, en fait, pour aller de l'une à l'autre, quoi. Et des trucs où on se dit, ah mais non, j'avais pas du tout prévu. Pour passer de telle couleur à telle couleur, en fait, qu'au milieu, mon curseur, il allait passer comme ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut appréhender, enfin, dans l'évolution, intellectuelle, en fait, qu'on a d'appréhender le travail de couleur. Je trouve aujourd'hui, avec ces projecteurs à LED, il y a ce cheminement pour passer d'une couleur à une autre, puisqu'il faut arriver à le visualiser. Alors même si aujourd'hui, il y a des consoles. Qui évidemment nous aide, hein, parce qu'on a besoin d'être un peu assisté quand même là-dedans. Donc assisté par les consoles et les pupitreurs. Et par les consoles qui maîtrisent, parce que c'est là où on peut arriver, c'est qu'un projecteur traditionnel, le PC1000 qui est derrière nous, c'est un paramètre. Les projecteurs à LED, c'est une dizaine de paramètres s'ils ne bougent pas, c'est 30 à 40 s'ils bougent. Et donc, le concepteur lumière, s'il doit gérer tous ces 40 paramètres par projecteur qui est multiplié par une cinquantaine de projecteurs, ça fait beaucoup de monde. Et donc c'est là où l'appui, l'importance du pupitre et du pupitreur, surtout du pupitreur derrière le pupitre, et donc le couple concepteur lumière pupitreur est essentiel à la réalisation d'un bon travail. Parce qu'effectivement, la console, les nouvelles consoles, elles gèrent ce truc des couleurs, des passages, pour gérer ton passage. Après, il faut avoir le temps de le faire. Oui. Oui, ça c'est un point important, hein, de relever que le temps de pupitrage devrait être doublé. Alors effectivement, on gagne du temps en réglage et on n'a plus besoin de travailler en hauteur, mais il faudrait que les administrateurs nous laissent du coup plus de temps pour la programmation, ce qui n'est pas encore du tout rentré dans les mœurs, quoi. Qu'est-ce qu'il en est au Théâtre des Champs? Vous avez noté un temps plus important, un parcours Alors, on le rêverait, les éclairagistes aussi. Non, on n'a pas plus de temps qu'avant. On va dire qu'effectivement, il y a moins de temps de travail en haut de la génie avec les multiplications des projecteurs asservis. Mais ce temps-là, il n'est pas suffisamment gagné par rapport au temps de travail qu'on a à faire sur la colorimétrie. On va dire qu'avant, une face en 201, c'était une face en 201 points. Une face multicolore peut laisser plein de choix. On peut aller creuser dans certains endroits. Et du coup, il y a du temps à passer dessus pour avoir une qualité de lumière. Et alors, quand on parle des transferts, qu'en fait, avant, on gérait des intensités d'un point A à un point B. Maintenant, on gère pour chaque projecteur un crossfade. Chacun a son crossfade à gérer sur le chemin de couleur. Et ça, on ne peut pas le simuler. Ça, il faut le voir. Et sur des transferts longs, il faut avoir le temps de les laisser passer du début à la fin, de le corriger, de le revoir. Et ce temps-là, pour l'instant, on ne le donne pas parce qu'on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'en plus, on a envie de le prendre. On creuse. C'est-à-dire que l'outil donne envie de creuser ça. Quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que là... aller travailler ses teintes, ses nuances de blanc, enfin ses faces ou quoi, ou aller vraiment au plus proche de, enfin c'est de, ouais, de sculpter la couleur, c'est génial. Enfin c'est une espèce de jouissance du travail quoi. Pour le coup, c'est du travail de création. Est-ce qu'à l'arrivée, ça prend pas plus de temps? Parce que avant, l'éclairagiste, il savait exactement, il donnait un plan de feu avec exactement les couleurs qu'il voulait aux endroits où il voulait. Maintenant que tout est contrôlable à distance, et la facilité serait de se dire j'attends d'arriver sur le plateau et puis de faire mes propres réglages. Alors ce problème-là se pose déjà depuis l'arrivée des automatiques.
Oui, oui. Où on reçoit des plans de feu avec 50 machines au plafond et aucun principe de lumière, même pas dans la discussion avec la personne qu'on accueille. Et voilà, avec la couleur, ça sera le même problème. Mais effectivement, on va dire qu'à l'époque où il n'y avait que du traditionnel, on regardait un plan de feu, on pouvait deviner les directions principales, les rattrapages. Maintenant, 50 machines au plafond, à se poser la question sur un accueil, de savoir si la personne, effectivement, savait ce qu'elle voulait faire avant d'envoyer le plan de feu. Ouais, ouais. Quand on finit avec des productions où il y a 300 positions de machines, c'est qu'il y a un vrai non-travail en amont. Oui, tout à fait. Et ça, c'est intournable, dans les temps de tournée qu'on nous donne. Donc en fait, avec la couleur, on va se retrouver avec pareil, un projecteur qui peut faire 300 couleurs, mais j'exagère, hein. Mais si en tournée, on a le projecteur qui s'en rapproche, mais pas, qui n'est pas tout à fait pareil, c'est après les 300 effets, il faut regarder toutes les couleurs de chacun des projecteurs. Non, mais il y a effectivement... Ça n'empêche pas qu'initialement, il faut quand même un créateur qui ait une idée de ce qu'il veut. Oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. Non, enfin, c'est pas nouveau. Je pense qu'au début du XXe siècle, ça existait déjà. Et par rapport à ça, enfin, moi, j'ai un peu des méthodes de travail, indépendamment des idées que j'ai ou que je n'ai pas, parce que des fois, on n'en a pas d'idées. Mais pour les couleurs, je travaille des palettes de couleurs. Et donc, en général, j'ai 10, 13, 14 couleurs. Et si ponctuellement il m'en faut une de plus, je vais la chercher. Mais j'ai déjà ma base que je fais. Et pareil pour les palettes de position, j'ai des choses principales. Après, si dans le détail je dois développer des choses, je vais les chercher. Mais déjà, je peux sortir. J'ai mes outils. Enfin, j'ai mes outils réglage. Ensuite, j'ai mes outils palette, position, couleur pour tailler la route et construire le squelette du spectacle. Et ça, et moi je sais qu'aussi par rapport à ce que tu évoques, la difficulté, c'est que moi, enfin, aujourd'hui, parce que, enfin je dis aujourd'hui, je ne parle pas de la période actuelle, hein, mais en tout cas voilà, ces dernières années, moi j'ai le sentiment par exemple qu'on me demande des plans de plus en plus tôt, par exemple. Enfin, j'ai des plans de feu, on me demande des fois de livrer mon plan de feu pour un spectacle 3 mois avant, par exemple, 4 mois, parce qu'il y a plein de productions qui tournent, parce que tout ça. Or, c'est une période où personne n'est encore passé sur le plateau, les répétitions n'ont pas commencé, donc j'ai le projet de décor, mais sauf que, entre guillemets, je ne suis pas éclairagiste de scénographie, quoi. Je suis éclairagiste d'un projet, d'un spectacle, d'une mise en scène, d'une chorégraphie, tout ça. Et donc aussi, la difficulté, c'est que des fois, moi, je me suis retrouvé effectivement à faire ce que tu décris, c'est-à-dire, OK, bah, je vais mettre... Bon, bah, y a quoi ? C'est quoi dans le parc matériel ? Il y a ça, bah... Je vais faire ça un peu comme ça, je vais faire ça un peu comme ça. Alors, je vais travailler un peu cet axe par rapport au décor parce que cette diagonale, elle m'intéresse. Mais aussi parce que le moment où je dois, moi, produire, entre guillemets, une partie de ma pensée, fait que je suis en train d'avancer tout seul parce que, voilà, parce que je n'ai pas tous les éléments à côté. Donc, en plus, il y a un peu le côté, bon, bah, au moins, en faisant ça, entre guillemets, je me blinde. Je fais que, du coup, bah, si on change un peu, si on évolue, j'y arrive. Et voilà. Et bon, l'avantage, c'est qu'avec la LED, c'est qu'on n'envoie plus des listes avec des changeurs avec de couleurs, avec des rouleaux de 15 teintes. Des changeurs, ou de 16. On fait encore des changeurs. On fait certains. Quand on en envoie. Sur les grosses sources, puisque de toute façon, pour l'instant, en LED, il n'y a pas d'équivalent source d'un 5 kg Fresnel ou d'un 2 kg 5 HMI. Pour l'instant, ça. Je n'ai pas trouvé. Mais ce que tu disais, en tout cas, Christophe, est vrai. Enfin, ça rejoint un peu ce que tu lançais sur la question que tu lançais sur la question de la tournée, de l'adaptabilité. En tout cas, le fait de cette multiplication de sources, de modèles, du coup, ces nouvelles, l'autre type de travail de la console, fait que le régisseur lumière d'accueil, entre guillemets, est devenu, devient un vrai assistant, un vrai partenaire de travail. Et avant, on maîtrisait l'outil. Parce qu'il y avait un PC, une découpe, un 5 kg Fresnel, et donc on avait entre guillemets la même connaissance presque technique du matériel que la personne qui nous accueillait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, on peut pas travailler si on n'est pas dans une relation de confiance, d'écoute, de respect, des compétences de chacun. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, le binôme, s'il fonctionne pas, on est complètement, c'est la paralysie, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. On va vraiment vers une spécialisation des métiers, ouais, et une séparation des compétences, alors que jusqu'à la fin effectivement du XXe siècle, un éclairagiste maîtrisait l'ensemble
de la chaîne lumière, oui, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Oui, oui, il y a... Et ça pose des questions de formation initiale et continue aussi. Puisque quand on a des équipes, aujourd'hui, dans des théâtres, des équipes qui ont 50 ans, c'est pas forcément simple, ou plus, c'est pas forcément simple de passer à EOS ou d'adopter la LED, quoi. Comment, au Théâtre des Champs, comment est-ce que vous avez résolu ça? Il y a eu un programme de formation continue? Alors, ça fait... Oui, en fait, ça fait... Le Théâtre des Champs nous forme régulièrement, donc il y a que l'ensemble de l'équipe est déjà formée sur le réseau, puisque LED, automatique, plus de paramètres, et du coup, ça ne tient plus dans un seul câble. DMX, en tout cas, donc on a une infrastructure réseau où tout l'ensemble du service peut être... et compétent et autonome là-dessus pour aller modifier une adresse. Déjà, on était prêt là-dessus. On va dire aussi que sur les gradateurs, on a fait le choix aussi de passer sur les gradateurs qui puissent basculer en direct. Parce que tout à l'heure, tu parlais des premiers investissements. Pour moi, le premier investissement, c'est dans le dur. On ne parle même pas de projecteur, on parle de ce qui va les alimenter en puissance et en information. Parce que acheter des projecteurs si on n'a que des gradateurs, acheter de la LED si on n'a que des gradateurs et pas de. Et pas au moins 3-4 univers qui traînent sur un plateau, c'est pas utile, quoi. Enfin, faut d'abord être prêt là-dessus. Et après, effectivement, sur la formation, on est passé à l'EOS il y a 2 ans, 2 saisons maintenant. Ça a été 15 jours de formation par ETC. Et après, au moins une saison pour les 3 régisseurs Lumière pour... s'imprégner le jeu, se construire une méthode de travail cohérente pour les 3, la commune, et faire des choix. En décidant ça, on le gère comme ça, même si tous les autres lieux le gèrent différemment, nous on le gère comme ça. Le cas concret et un peu particulier, c'est qu'on, nous direct, on ne les pilote pas en parquant les circuits, ce que tout le monde fait. Nous, on a fait pour nous, un direct, c'est une device, donc on l'appelle, on l'allume, on l'éteint. Personne ne fait comme ça. On est très peu à le faire, et juste que voilà, pour nous, c'est un paramètre, on le considère comme un paramètre de machine. Mmh. Et l'important étant que les 3 personnes qui passent derrière la console aient la même méthode de travail. Voilà. Donc ça discute beaucoup, il y a des fois où il faut un tout petit peu, que l'un se retienne un tout petit peu sur ses compétences pour ne pas mettre les camarades en danger sur le service du lendemain matin. On ne propose jamais quelque chose, une nouvelle fonctionnalité à un éclairagiste sans être sûr que l'ensemble des 3 régisseurs sait le maîtriser. Ce qui est précieux, parce que quand on avait réalisé les entretiens là, pendant le confinement, on a eu plusieurs concepteurs qui se plaignaient du passage, avec en plus la législation du travail qui réduit le temps, du passage d'un régisseur à l'autre avec des régisseurs qui n'étaient pas capables de suivre ce qui s'était fait avant. En fait, avec des consoles de plus en plus ouvertes. Donc, autant... Jusqu'à quelques années, les consoles étaient relativement fermées et puis on était guidé dans la façon de faire, quelque part par le constructeur. Autant là, il y a plein de manières de faire. Donc effectivement, si dans les lieux, il n'y a pas un temps de synthèse et de se dire quelle est la méthodologie du lieu qu'on prend, ça crée clairement des décalages. C'est sûr, par exemple, avec les hausses, c'est vrai, mais la grand-mâ, c'est encore plus vrai. Il y a 50 façons de travailler une grand-mâ. Et moi, j'ai des souvenirs de théâtre où il y avait un pupitreur qui était un expert. Je lui demandais la lune, j'avais la lune. Il y en avait d'autres, je restais sur Terre. J'attendais que la lune revienne. Parce qu'il faisait le minimum. Et là, il y en avait un de bon et l'autre qui ne savait pas. Mais là aussi, ça convoque l'administration. Il faudrait qu'il y ait un temps de croisement, un service avec une heure de croisement pour pouvoir se transmettre les informations. C'est ce qu'on nous laisse faire. Messieurs les administrateurs. C'est vachement bien. Le service du matin pour le régisseur lumière, c'est fini. Le service de conduite en général sur les productions d'opéra, c'est fini à 13h. Le régisseur lumière qui a fait le matin va jusqu'à 14h et celui qui fait l'après-midi arrive à 13h. Ils ont une heure pour se croiser. C'est bien, c'est rare. Mais c'est, non, mais c'est important en fait, parce que sinon on n'a pas juste... Déjà, on ne peut pas faire cette passerelle du soir au matin. Donc on a appris à communiquer, à se laisser des mots précis pour qu'on se comprenne tous et qu'on parle, qu'on sache faire quoi aller. Et par contre, celui où c'est possible, du matin après-midi, moi j'essaie toujours de le planifier, d'avoir une heure en commun. Ou des fois, c'est juste ce matin, on a fait ça, mais ce croisement-là, il est hyper important. Les internautes, je vous remercie beaucoup parce que vous parlez beaucoup et vous posez beaucoup de questions. Je m'excuse parce que je ne peux pas tout retransmettre, mais je vais renvoyer une note. C'est par rapport au ruban LED qui devient consommable et par rapport au recyclage
Et aussi, le ruban LED, c'est un peu devenu inconsommable, ce qui est désolant. Mais aussi, certains projecteurs LED deviennent, enfin, comme ils vieillissent plus vite et qu'ils vont à la benne plus vite, quid de du recyclage ou de qu'est-ce qu'on en fait, sachant que leur construction et leur fabrication a déjà bien entamé la planète. Bah c'est une vraie question quand même, parce qu'on estime à peu près à 5 millions de projecteurs halogènes dans les lieux en Europe. On est à 5 millions. Donc effectivement, mettre à la benne 5 millions de carcasses en métal, etc., pour les remplacer par des appareils dont la durabilité est globalement difficile à estimer, même s'il y a des efforts qui sont faits là-dessus, même si potentiellement on pourra changer des pièces, de toute façon l'électronique aura évolué tellement vite que les pièces ne seront plus forcément produites, etc. C'est l'une des grandes questions là-dessus. Alors il y a quelques groupements, alors, à ma connaissance, pas forcément dans le scénique, mais en tout cas par exemple dans l'éclairage pérenne, qui par exemple se débrouillent pour avoir des systèmes de dalles LED qui sont d'un format standard. Donc, c'est-à-dire qu'entre fabricants, éventuellement, on pourra toujours arriver à reclipper, comme on changeait une lampe, pour changer la dalle LED, par exemple. En gros, d'arriver à avoir des composants de projecteurs qu'on arrive à pouvoir interchanger et à réparer dans le temps, intermarque. Oui, et ça, c'est déjà un premier. Pour le recyclage, il y a des travaux. Hier, j'étais au rencard de l'acétylène, organisé par l'Association des concepteurs d'éclairage à Paris. Et. Un jeune qui fait sa thèse dans le recyclage des LED dans ces travaux-là, disait qu'ils arrivent sur les LED domestiques, pas celles qu'on utilise, mais à séparer et à sortir. Parce que souvent, en fait, c'est l'électronique derrière qui est pétée, mais la LED elle-même, le noyau LED, n'est toujours fonctionnel. Et ils peuvent le sortir. Pour le moment, c'est à l'échelle de travail, c'est pas encore à l'échelle industrielle. Ils peuvent le sortir et le remettre en service fonctionnel. Il y a des pistes quand même. Elles sont lointaines pour l'instant, mais elles existent. Encore faut-il que le coût de la main-d'œuvre soit équivalent au coût du matériel récupéré ? Oui, après, le coût, ça va évoluer avec le temps. C'est-à-dire que les matières premières, le coût va augmenter, et donc les matières recyclées, leur coût va devenir intéressant. Pour le moment, c'est beaucoup plus cher de recycler une LED et de la récupérer que d'en avoir une neuve. Un jour ou l'autre, ça va s'inverser. Là, en ce moment, c'est vraiment le travail qui a été fait au niveau européen qui vient d'être entamé sur l'économie circulaire. Et il y a déjà certaines industries qui commencent à travailler dessus, où il y aura des indices de réparabilité sur les produits, où il y aura des contraintes, justement, pour pouvoir réparer les produits, où clairement seront affichés... il y a pas mal des scores de production ou des scores de recyclage, et ça c'est des choses qui sont en train d'être vues au niveau européen en ce moment pour éviter justement l'utilisation de produits pas chers mais on jette juste après les événements, et ça arrive surtout en événementiel. Oui, mais bon, enfin voilà, sur ces questions là il y a quand même une vraie beaucoup de aujourd'hui d'entreprises, de marques qui font régulièrement des événements, ont quand même vraiment pris un virage depuis quelques années quand même sur justement d'arrêter de créer des événements où derrière tout part à la benne, la scénographie, la lumière intégrée, tout ça. Il y a quand même une vraie démarche aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'on peut louer comme matériel, ou en tout cas ce qu'on crée, ce qu'on construit pour notre événement, qu'est-ce qu'on peut faire après, est-ce qu'il n'y a pas des écoles par exemple qui peuvent récupérer des éléments derrière, d'autres entreprises qui récupèrent les transformateurs, d'autres qui récupèrent l'électricité. Il y a une vraie démarche responsable quand même, une vraie prise de conscience. Et quand même, depuis quelques années, on ne voit plus comme avant ces espèces de grandes bennes qui sont à côté le lendemain des événements où tout est jeté dedans. C'est-à-dire que maintenant, en général, avant même d'avoir vraiment commencé le montage de l'événement, on sait à l'issue de l'événement quel élément va à tel endroit après, tel événement récupéré par telle école d'art, quand même, il y a un vrai virage qui s'est opéré quand même depuis quelques années là-dessus, de démarche un peu responsable quand même par rapport à ça, et on se rend compte que ça marche très bien et que c'est pas compliqué à mettre en œuvre en plus, globalement quand même.
Bon, bah, on essaie de retourner dans l'investissement. Avec l'actualité de la scénographie, il y avait une enquête qui a été menée auprès des directeurs techniques d'institutions culturelles pour essayer de connaître un peu l'état de leur parc Lumière et vers où ils voulaient investir, etc. La bonne nouvelle, c'est que 80% des lieux sont équipés en LED. Donc du coup, bah, il n'y a plus de problème. 80% sont équipés en LED, tout va bien. Mais par contre, la LED ne représente que 10% de leur parc de matériel global. C'est-à-dire que tout le monde a déjà acheté un petit peu de LED, mais en fait, ce n'est pas du tout une grosse part. Oui, et c'est souvent un peu les vieux paralets de pizza ou génération un peu mieux, mais grosso modo, c'est un peu ça. Tout le monde a acheté son paralède à un moment donné. Quoi. Oui, et puis après, il est au placard. Là, il est un peu au placard, etc. malgré tout, bah, ce qu'on voit, c'est que la plupart des lieux, si on leur demande de prioriser leur investissement, bah, ça va plutôt sur la LED. Très peu ont envie de continuer à acheter de l'halogène, même s'il peut encore y avoir des besoins un peu ponctuels. Ce qui est intéressant un petit peu pour voir la transition, alors c'est un budget moyen qui est donné, donc c'est plutôt les ordres de grandeur qui paraissent être intéressants là-dessus. Si on pose la question à ces lieux, c'est quel est pour eux le budget d'investissement nécessaire pour passer le parc d'éclairage vers un parc d'éclairage LED. Ils l'estiment à peu près à 200 000 euros. Donc évidemment, ça revêt des tailles de structures qui sont hyper variées. Il y en a pour qui ça ira plutôt se chiffrer en millions, il y en a pour qui 20 000 euros pourraient suffire peut-être. Enfin voilà, juste pour. Mais ça donne un ordre de grandeur de 100 000 euros. Et que le budget d'investissement moyen annuel, il est de 20 000 euros. Donc on a un écart de 1 pour 10 entre ce que je peux m'acheter chaque année et en fait ce dont j'aurais besoin pour faire cette transition-là, à l'échelle de 5 ans. Donc on peut assez facilement arriver à traduire que la transition, hors dotation exceptionnelle, subvention à l'équipement, prime écologique, plan de relance, etc., bah c'est plutôt une transition qui va se faire sur une dizaine d'années, à coup de petits achats ou de choses comme ça. Ce qui est une stratégie qui risque d'être le cas, parce que bah, y a la réalité économique de ça, qui peut peut-être être discutable du point de vue des millésimes des projecteurs. Je ne sais pas si Pierre, toi, t'as un avis là-dessus, il me semble. Ce que Ludovic a abordé tout à l'heure sur le fait qu'on dépend énormément des fournisseurs, c'est qu'actuellement, n'importe quel fabricant de projecteurs LED va mettre une série de LED dans ses projecteurs, que ce soit du blanc ou des projecteurs de plusieurs couleurs, et qu'il n'est pas à même, et son fournisseur ne sera pas à même, de lui fournir cette référence de LED précisément sur les 10 ans d'investissement d'un théâtre, par exemple. Ça s'améliore, les fabricants de projecteurs réétalonnent au fur et à mesure, mais ils ne peuvent pas garantir la même qualité précisément de lumière entre un projecteur acheté à X et s'il existe encore à X plus 10. C'est-à-dire qu'il y aura la problématique de remettre la même qualité de LED dedans, mais on n'est pas sûr que dans 10 ans, le projecteur qu'on a acheté sera toujours en catalogue. Donc ça veut dire, si c'est un investissement sur 10 ans, un parc assez disparate et effectivement de millésimes de noter tel projecteur acheté en telle année ne pourra pas se mélanger avec le même projecteur qui a le même nom mais qui a été acheté 5 ans après. Quoi. Ouais. C'est bienvenu en enfer. Ouais, c'est assez compliqué. Non, mais en tout cas, ça demande à minima une gestion hyper rigoureuse. Quoi. Mm-hmm. Si ce n'est un truc qui est... Il faut changer par année, par famille de projecteurs ou par emplacement au Théâtre des Champs. L'implantation de la salle qui est fixe. Donc, déjà, nous, dans l'implantation de la salle, on a une partie concert, une partie éclairage concert qui va être la première partie qu'on va changer cette année, si le budget passe. Et déjà, pour avoir acheté une vingtaine de découpes, pouvoir les tester, se les approprier, définir en interne le mode dans lesquels on peut les utiliser pour répondre au mieux aux demandes des éclairagistes. Mais ça, du coup, c'est en interne, on ne les proposera pas, ça va rester pour nous, pour l'éclairage des concerts classiques, qui est en général un plein feu. Mais voilà, pendant un an, on va regarder, on va observer, et ça sera la famille, ces découpes-là resteront toujours pour éclairer ces concerts. Donc le prochain investissement, ça sera une autre tranche, soit on finit la salle, soit on décide de faire tous les plans de contre, ou tout ce qui équipe les booms pour de la danse. Mais sachant qu'on ne pourra pas les mélanger. Quoi. Une découpe de salle ne pourra pas jouer au plateau. Quoi. Mélanger avec les autres découpes du plateau. Sauf si on achète tout d'un coup. Mais si, les nouveaux lieux.
Les lieux qui se rééquipent ou qui partent à zéro peuvent tout acheter d'un coup. Oui. Voilà ce qu'ils ont fait au Châtelet l'année dernière, par exemple. Après, du coup, tu as tout d'un coup qui vieillit aussi. C'est un peu le problème, c'est un peu ce qui me fait parce peur. Parce que ça fait un budget énormissime. Mmh. Et 10 ans plus tard, c'est tout le monde a 10 ans. Et donc, après, il y a encore des appels d'offres qui paraissent avec un équipement en halogène, qui n'est peut-être pas non plus la meilleure, la meilleure stratégie. Il y a encore des lieux qui s'équipent avec des gradateurs. Ah, voilà, gradateurs, pas de réseau et mais moi, je voudrais répondre un petit peu à la question que tu as eue sur Internet, qui est quand est-ce qu'il faut investir. Depuis plusieurs années, notre discours, c'est de dire, mais il ne faut pas le prendre comme une contrainte, forcément, et on voit qu'il n'y a pas forcément une contrainte réglementaire de changer là et tout de suite, immédiatement, mais plus de le prendre comme un nouvel outil. Et tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a plein d'avantages avec la LED. Donc c'est bien avant la LED, sur scène, il y avait un mélange de différentes sources. On travaillait avec des fluos, on travaillait avec de la décharge, avec de l'halogène. Donc l'idée, c'est vraiment la LED de le prendre aussi comme un avantage et de l'intégrer petit à petit comme un nouvel outil avec ses avantages et pas forcément le voir comme une contrainte. Et petit à petit, le cas flagrant, on voit tout de suite les projecteurs qui font là actuellement, on a moins de 200 watts de consommation. Bah, si on les prend blanc froid, on fait plus de lumière qu'une 2500 watts halogène avec un 201. Et en plus, quand on les gradue, on travaille à température de couleur constante. Donc il y a plein d'avantages finalement, on le voit, ce que tu disais sur les variations de blanc, sur toutes ces choses-là. L'aspect sécuritaire aussi, parce qu'on parlait de latéraux en danse. Effectivement, le danseur, il n'y a plus de risque de se brûler et d'avoir des multipaires qui passent par terre pour alimenter les tours. Il y a plein d'avantages sur la LED. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est intéressant de ne pas le prendre comme une contrainte, mais si l'outil correspond aux besoins d'un théâtre ou d'un éclairagiste, c'est de pouvoir l'utiliser en tant que tel et de commencer à intégrer petit à petit. Est-ce que ces mutations technologiques nous amènent pas vers des parcs de location longue durée à l'année, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons ou dans les zéniths? Et derrière cette question, il y a aussi, est-ce qu'alors on ne courrait pas un risque d'une sorte d'uniformisation de la lumière par rapport à la grande liberté qu'il y a eu en conception lumière, particulièrement en France ces dernières décennies? C'est faut-il investir? La question, quelque part. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, alors, bon, j'avance prudemment parce qu'évidemment, moi je ne maîtrise pas la question d'investissement dans des lieux, tout ça, mais j'ai pas de chiffres à mettre. Voilà, je n'ai pas forcément la notion, mais je me dis, on est à un moment donné où on se pose la question de dire est-ce qu'il faut avoir tous une voiture ou est-ce qu'il ne faut pas louer des voitures quand on en a besoin? On fait pareil avec les vélos. Finalement, je me rends compte que les salles dans lesquelles on crée les... Alors, là où on crée, c'est différent, mais les salles dans lesquelles on passe en tournée, finalement, nous, on a besoin de telle machine. Il se trouve que le lieu, il a investi dans telle autre machine. Donc, soit il y a le temps de refaire la conduite lumière, soit il n'y a pas le temps. Donc, au final, il y a quand même une location qui se fait ou pas. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un investissement qui peut être mixte entre du pérenne et puis au lieu de rajouter des lignes d'investissement pour du matériel qui ne sera pas forcément celui qui servira en accueil, une autre part qui est réservée à de la location au projet, c'est-à-dire effectivement comme vous avez fait au Théâtre des Champs-Élysées, c'est-à-dire dire bon, la face, bon, c'est une chose, c'est des découplets, tout ça. Et puis après, tout ce qui est au plateau, bah, y a une partie qui est à demeure et puis après, selon les projets, on loue, donc on réduit un peu les parcs de matériel, mais au moins, on sait qu'à chaque fois, on fournit le projecteur dont a besoin la personne qui arrive en tournée. L'autre solution, moi, que j'ai expérimenté déjà plusieurs fois avec des compagnies, c'est de, nous, on négocie, en fait, de dire, on loue les projecteurs, par exemple, tous les spécifiques, type asservi, par exemple, à la création. On fait une location longue durée avec la compagnie et on répercute au prorata en coût de cession ce matériel-là. Ce qui fait que les lieux d'accueil, bah, ça leur coûte évidemment bien moins cher que si eux, ils louent pour 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et en plus, on arrive avec le matériel avec lequel on tourne toute l'année. Donc, je pense que il y a peut-être une autre manière de réfléchir les parcs matériels aujourd'hui dans les salles, quoi.
Il faudrait aussi que la réglementation s'assouplisse, parce que je crois que tous les lieux subventionnés par le ministère de la Culture, la plupart n'ont pas droit aux locations longue durée. Je crois que c'est limité à 15 jours, 3 semaines. TNS, ils voulaient mettre en place la location d'un leasing de console, pour se dire, bon, l'entretien des consoles, ça va. Mais ce qui est assez vrai, globalement, d'ailleurs, avec l'ensemble des asservis, c'est-à-dire que la compétence de réparabilité à l'intérieur des structures, elle est quasi nulle, mais aussi parce que c'est quasiment pas réparable de fait, en tant que tel. J'ai vu, à l'Opéra de Zurich, il y a des électriciens, ils ne vont jamais au plateau, ils font que de la maintenance. Il y a un atelier et ils sont hyper pointus sur la maintenance des motorisés qui sont dans la maison. Ouais. C'est possible. Après, il y a des choix très rigoureux. Ils ne changent pas de machine tous les deux ans. Ils changent tout ou rien. Ils ont une formation et ils réparent les machines. Et ça, c'était équivalent dans les années 80 à Nanterre-Amandier. Il y avait Gérard dans son sous-sol. Il faisait des miracles et les HMI marchaient toujours. Mais c'est des choix d'investissement. Il faut dédier du personnel à ça. Et de l'espace. Il faut effectivement l'espace. Mais c'est des choix d'investissement. Effectivement, il y a beaucoup de théâtres qui, avec les réductions de budget généraux, c'est ça qu'ils ont coupé en premier, comme ils coupent les ateliers, comme ils coupent les ateliers de costumes. Il y a beaucoup de pertes là-dedans. C'est très, très dommage. Parce qu'à l'arrivée, ça coûte cher. Parce qu'après, on a des projets qui ont 10 ans, qui sont pourris, alors que s'ils étaient entretenus, ils marcheraient toujours. Il n'y aurait pas besoin de les racheter. Mais pour en revenir sur le concept de question de longue durée, si je ne dis pas de bêtises, à Mogador, comme ils font un spectacle par saison, ils louent le matériel, tout le kit éclairage pour la saison. Ce qui permet d'avoir une conception, en plus, ils peuvent avoir des spectacles avec des conceptions de designers américains, donc qui ont des éclairages très particuliers, mais ils vont pouvoir louer les bons appareils sur une saison sans problème. Voilà ce qui est le fonctionnement anglo-saxon dans le West End, c'est tous les théâtres fonctionnent comme ça. Oui, totalement. Mais ce qu'on voit, c'est que même des gros loueurs en France investissent moins, on va pas dire n'investissent plus, mais investissent moins dans du matériel, parce que effectivement, là, il y a des nouvelles références tous les 6 mois qui sortent, et puis il faut être à la mode en quelque sorte. Il y a quand même un peu un effet de mode là-dedans, et les projecteurs, même s'ils sont encore fonctionnels, peuvent aussi être simplement has-been. Et ce qui fait que ça freine certains investissements qui vont au contraire faire eux-mêmes de la location vers des boîtes qui font juste de la location sèche et puis on y va. Quoi, voilà, c'est un dialogue entre les producteurs ou les théâtres. Moi j'ai eu un gros spectacle qui a fonctionné, on a fonctionné comme ça. En fait, il y a eu un échange avec le loueur qui a acheté le matériel que je voulais en fait en investissement et qui l'a mis en location sur la tournée. Et donc, je voulais des trucs particuliers, mais comme la tournée était grande, en fait, son investissement était rentable et ça appartenait pas à la compagnie, ça appartenait au loueur. Donc, et j'imagine un théâtre comme Mogador qui fait une location en longue durée, ça permet d'investir. Totalement. Là, le temps tourne. Ouais, c'est pour ça. Donc, Benjamin, si tu peux arriver à un point conclusif, on peut pas conclure de toute façon. Mais... Ouais, ça serait bien d'arriver à conclure. On pose une question finale. Il y a des questions internes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que vous êtes prêts, vous avez fait l'effort d'être présent quand même. Il y a des commentaires. Les gens ont suivi. On a un peu répondu aux questions sans que je les retranscrive. Il y a un avis très positif sur les trappes pour changer le bloc lumière. ETC en fait également, je crois. Ils ont des systèmes à peu près équivalents sur leurs produits. Ouais. Il y a des commentaires sur la part pupitre qui est beaucoup plus importante, et de la formation et des choses comme ça, qu'il faut évoluer, qu'il faut suivre. Mais ça suit la conversation. Il y a pas mal de monde en vision. Là. Super. Est-ce qu'on se lance dans un chapitre comme, par exemple, imaginer la lumière d'après, qui pourrait aussi être une lumière peut-être un peu décroissante? Un rêve rapide, Est-ce qu'il y en a pour conclure? En tout cas, je sais que moi, quand j'ai mené un peu l'enquête en interviewant
pas mal de gens, il y avait un peu ce filigrane-là qui était là, de se dire en même temps, on va vers une débauche de moyens, on achète des projecteurs qui ont un peu, qu'on jette un petit peu. Enfin, ces choses-là qu'on a évoquées. Peut-être même dit autrement, je ne sais pas, le modèle de Pink Floyd de 15 semis, peut-être maintenant on se dit que c'était peut-être pas le bon modèle, dans le fond. C'était peut-être pas ça le rêve absolu, même si c'est un peu génial. Enfin, est-ce que c'est des choses qui résonnent chez vous ou qui... Ben, disons, c'était le rêve, un idéal à un moment précis. Maintenant, on n'est plus dans ce moment-là. On est dans un autre moment. Oui, bien sûr. Parce que l'équivalent, c'était le misanthrope de Engel, il y avait 9 semi-remorques de décor. Exactement. Dans chaque camion, il y avait 2 murs. Après le low-tech, il est difficile peut-être à tenir en spectacle vivant, parce que à l'image, que ce soit en vidéo, télé, cinéma, vidéo, etc., on a le numérique qui permet des effets spéciaux. Après, si c'est pour passer au plein feu en spectacle vivant, ça risque de ne pas faire envie. Enfin, je ne sais pas, hein, y a aussi une... On n'est pas sur le même plan que tout ce qui est numérique, donc c'est compliqué. Il y a une demande d'image quand même, même au théâtre, hein, de la part des metteurs en scène ou des chorégraphes, il y a une demande aussi de... On peut dire qu'il y a une demande d'image, mais il y a aussi, et c'est pas seulement dû au LED, c'est aussi dû à la lumière qui monte autour de nous, qui est toujours plus forte, comme le son est toujours plus fort, et il y a des compresseurs partout qui nous bousillent les oreilles. La lumière, c'est pareil. Et sur la scène, la lumière actuelle, souvent, elle est utilitaire pour éclairer la scène massivement, mais où on cherche les choix. C'est-à-dire, on a des outils qui sont de plus en plus performants, mais qui ne servent pas toujours à inventer des nouvelles formes. Parce que Il y a une homogénéité de la lumière sur scène qu'on peut constater, pas toujours bien sûr, mais qu'on peut constater. Et surtout, toujours plus. Il y a quand même le phénomène du toujours plus qui est fatigant et où on ne gagnera jamais. Bah, il faut toujours pouvoir se différencier des autres. Je pense que c'est toujours l'intérêt de n'importe quelle concession de spectacle, c'est de faire mieux que les autres, de tirer. Voilà. Mais juste avec un seul projecteur, on peut faire beaucoup mieux. Non, moi c'est pas les comédies de moyens m'intéressent, en tout cas moi m'intéresse plus sur la manière dont on va utiliser des sources qui consomment moins, recycler des décors, tout ça, plus que dans la restriction, on va dire la restriction créative on en met moins ou tout ça. Alors bon, c'est vrai que je suis pas, peut-être pas un exemple en termes de pas en mettre beaucoup, mais c'est vrai que voilà, ça m'intéresse plus de dire bon, comment on peut trouver des solutions pour pas tout acheter ou pour se prêter, recycler, mutualiser, je crois, en tout cas, moi, c'est plus, on va dire, ce type de préoccupation que j'ai. Après, je trouve que dans le processus créatif, c'est juste la justesse du projet qui appelle soit à dire qu'il faut faire une débauche de moyens, une débauche d'effets, ou d'autres qui appellent à dire qu'ils ne nécessitent pas, de beaucoup de moyens ou beaucoup d'effets, quoi. Mais je trouve que c'est compliqué, enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, peut-être que d'autres concepteurs lumière y arrivent, et c'est tant mieux. Mais moi, j'ai du mal à me dire, moi, il faut quand même que je réfléchisse à pas trop en faire, ou trop en mettre, ou trop... Je pense que l'idée, c'est quand même toujours d'aller au plus juste Et si c'est 400 sources, parce qu'à un moment donné... Il faut que ça claque, il faut que ça le fasse. Bah, c'est 400 sources. Oui. Quoi. Et puis c'est 20. Le jour où c'est 20, c'est 20 parce que 20 suffisent. Mais comme tu dis, c'est la justesse par rapport au projet. Oui. Pas par rapport à une, rapport à une norme. Oui, qui voilà. Serait... C'est un idéal. Ma critique était vers une espèce de normalisation. Ouais. Mais vers le projet. Mais je suis complètement pour. Là où il faut 400, il faut 400. Et là, il faut un. Là-dessus, tu
apporte une conclusion. Dans l'enquête que tu as menée pour AS, il y a des réponses qui t'ont étonné, des résultats ou est-ce que tu t'y attendais un petit peu en tant que praticien déjà? J'essaie de me remémorer. C'est beaucoup d'échanges, alors du coup c'est difficile. J'ai deux dernières petites réflexions. Enfin, il y en a eu beaucoup d'autres que j'ai sautées, que j'ai pas eu le temps de lire même. J'ai une réflexion avec une personne qui constate qu'avec les LED, on perd un peu toutes les différents types de sources, les PAR, les PC, les BT. Je suis pas tout à fait d'accord, mais parce qu'on les retrouve aussi. Mais par contre, comme ça amène un type de lumière homogène entre toutes ces sources, je pense que ça vient de là, ce sentiment-là. C'est surtout qu'on perd les BT tout court. C'est qu'il n'y a pas de BT LED, ça n'existe pas. On perd les opodas, on perd ce type de lumière. On perd le PAR aussi, parce que le PAR LED... Ouais, je suis en partie d'accord, mais je pense que c'est lié à la LED... Alors, à la nature même de la lumière qui est créée par la LED et aussi par la nature même de la multiplication des types de sources. C'est-à-dire qu'aussi, il y a une époque où, en gros, voilà, sur un plateau, on voyait un PC, un PAR, une découpe, une BT, quoi. Donc, c'est vrai que comme on n'y avait que quatre sources, quatre ou cinq, enfin, je veux dire, schématique type de sources, finalement, on les identifiait assez facilement. Maintenant, mais je suis assez... Je suis un peu d'accord quand même avec cette remarque, parce qu'il y a un côté quand même d'une lumière qui est souvent un peu plus... Riche. Oui, riche, diffuse, enfin quelque chose, et qui fait que ça, c'est moins... Mais c'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu un truc trompeur, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux projecteurs qui sont sortis, on les a appelés PAR à LED, découpe à LED, PC à LED, mais en fait c'est d'autres types de projecteurs, c'est-à-dire que chaque projecteur a quelque part son empreinte digitale et c'est unique, et en termes de flux, en termes de source, en termes de répartition spectrale, et c'est la comparaison en fait, forcément c'est des projecteurs différents, par contre c'est des projecteurs qui vont mourir. Voilà, et effectivement, parler de PAR LED, ça amène immédiatement une frustration parce que la lumière des PAR est magnifique, et partagé par tout le monde et apprécié par tout le monde, et les PAR LED n'ont jamais produit ce type de lumière. Mais ce qui n'empêche pas que la lumière des PAR à LED peut être magnifique. C'est pas la même. Mais le nom qu'on leur a donné nous induit en erreur. Totalement, un Fresnel à LED, à l'heure actuelle, la plupart du temps, ça ressemble plus à un PC avec un dépoli que la distribution typique qu'on va avoir du Fresnel avec un gros point chaud. En fait, sur les Fresnel à LED, on ne retrouve pas ce gros point chaud qu'on avait avec l'halogène. Oui. Qui était une génération à la base. Hein. Oui, totalement. À laquelle on s'est habitué. Exactement. Mais c'est par défaut. C'est pour ça que moi, j'adore toujours les 5 kilos. Maintenant, je mets des 5 kilos partout, parce que je sais que je ne vais plus en avoir. Toi qui nous crame toutes les lampes. Non, messieurs, je vous annonce que la lampe 5 kilos n'est pas du tout concernée par l'éco-design, puisqu'on est sur une puissance supérieure aux restrictions, donc il n'y a même pas d'exemption sur les lampes 5 kilos. Il faut juste qu'on continue. Donc c'était là l'aberration. L'aberration, si on prenait le texte initial tel qu'il avait était sorti la première version, on pouvait utiliser quasiment aucune LED, aucune lampe halogène, sauf les 5 kilos. Moi, ça suffit. Du coup, il faut que ça soit construit, il faut que les usines continuent à en sortir. Ça, c'est un autre problème. Il y a l'industrie du cinéma qui permet de garder les 5 kilos. Non, c'est fini. Ils sont bien passés. Le cinéma, ils sont basculés 100% LED, sauf les gros HMI. Pour encore quelques temps. Oui, ils sont les 18 kilos, c'est... Voilà. Mais sinon, ils sont 100% LED. Ah oui, il n'y a plus de PC, il n'y a plus de 650, il n'y a plus de mandarine, il n'y a plus rien. Il n'y a que des pavés et des projos. Et des ballons. Et avec ils gèrent la température de couleur et l'intensité, tout ça. Non, on ne peut pas compter sur eux. Bon, tous à nos 5 kilos. Alors. En tout cas... Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous tous. Merci aux internautes qui nous ont suivis et qui ont participé. Merci beaucoup. Et on vous dit au revoir. Et donc, il y a une demande qu'on recommence ce genre de choses. Et donc, on va essayer de le refaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.